Ah, il y en a deux, ça fait plaisir. Il m'a Ok, fallu 3 secondes, hein, 3 secondes. Qu'est-ce qu'il a on a un fallu? team, Qu'est-ce qu'il merci. a fallu? Merci Jean. Allez, Bon, vas-y. bonjour à Bonjour, Sapillon. bonjour. Salut. Jean Papillon. Je peux imiter Ben. Non, 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 mais Vous t'arrêtes ça imitez tout de Ben? suite. Non, t'arrêtes ça tout de suite. C'est Hein? quoi ta blague? C'est Ben. Yes. No. Attends, mais il le fait super bien. Yes. Bon, approfondis la vanne. Essaye de. Ouais. Bah, j'ai pas grand-chose là en gros quoi. Ah, c'est tout? Bah, C'est j'avais dit hein, j'ai mis juste Ben hein. Non, mais j'étais. Oh là là. Bon, Je suis bon, désolé. bah, zéro. Zéro, on a tous Allez, je suis encore abattu. zéro, les gars. Oh, moi, Alors, je non, mets. vous savez quoi? Je mets 5 parce qu'il a Un. pu venir. Bon. Ouais, c'est Il le a pu premier à venir. venir. Et c'est le D'abord, premier à venir. ben C'est le voilà. premier. Ben C'est voilà, merci, mec, ça fait super c'est plaisir, c'est le simplement. premier. Donc, en vrai, un petit 4 sur 10, je pense. Ah bah là, un petit Je 5, il a la en moyenne, plus. il est venu, je m'en Eh contente, oui, je m'en il est contente. venu, pas comme certains dans le Ah ouais, chat ah, qui ont voilà. peur. Les Maintenant, fans. casse-toi maintenant. Bah merci, ça fait super plaisir tout simplement. Bisous, bisous. Bisous, Bisous, bisous. bisous, Eh oui, allez, pas comme merci. Gros certains. bisous. Ceux qui se permettent de Ouais. dire nul dans le chat, j'aimerais bien vous y voir. Allez, venez. Bon, enfin bref, Voilà. bon entendeur, hein. Oui, bon, Allez. faut y aller par Mais contre. on Hein. t'a Parce laissé que. casser par On contre. par... Ah, Non, mais ça il en profite, il disait. Alors, les gars, la caca box, ça va bien? Ça a l'air de marcher, hein? Madros, va voir Foller et dis-lui, viens. Tu les attrapes comme ça. C'est ça Voilà. là? Attends. De Attends, casser. attends, attends, j'attends. Tu l'attrapes par les. Ah! Il l'attrape par l'épaule et lui dit, bon, tu viens? T'imagines, tu vas à comment ça s'appelle, les stand-up? Et tu dis, bon, tu viens, dépêche-toi. Il m'a l'air d'être sympa, je l'ai ramené direct, j'ai pris par le Allez, gueule. il faut qu'il fasse une Vas-y. blague. Allez, salut, Vas-y. Foller. Salut! Bon, faut parler, mec, hein. Ouais. Bon, mec, il est temps, c'est un casting caca-box, là, on est en train de chercher des nouveaux Oh, membres. Si tu nous fais rire, tente dans la caca-box. Je viens de mouf Takumi là. Tu loupes le Bon bah, coche. c'est bon, il s'est muté. Allez. Allez, ciao, Non, bah, ça Bouffon, non. on a compris. Aucune couille. Allez, non, c'est bon. Allez. Le plus drôle rejoindra la caca-box. Oh, alors là, Alors, c'est pas là, vous avez un autre prix un peu plus classe que du VIP. pas vrai, mais au moins ça Si donne un c'est peu de vrai, qu'est-ce que tu l'espoir. racontes, Ah oui, toi? pardon, c'est Non, mais vrai. c'est vrai, c'est Ah, complètement vrai, voilà. raconte. il y a Ali 93 FMC. Je Allez, sais pas, c'est 93. l'autre. Je vais aller voir ça. Attends, Ouais, il y a ah, il y a ukulélé ukulélé aussi. en plus. Au pire, tu sais Peut-être quoi? un. On fait la vérification ici. Cache Ben, pas chier, bah tant pis, oui. on s'en fout. Et On il y s'en a fout s'il y a Nana des. aussi. Attends, mais Mais il y en a plein. Proto, mais Ah qu'est-ce que voilà, fait ça y est, ça Proto? commence. Mais Proto, On va il laisser passe un peu 5 Proto. minutes à regarder les cartes Je te d'identité. jure que Proto, j'ai pas compris. Je suis Mais arrivé, j'ai non. dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je vérifie. Et j'ai juste dit à la personne, bah, tu viens. Et puis c'était tout. Non, mais c'est Mais long, c'est Proto, pour fait ça. de l'harcèlement, hein. Proto, Bon, lâche allez, les. tu. Lâche. Voilà, il suffit juste, t'attrapes. Et où là. Hop là, bah voilà. Ok. C'est qui? Démute. Là, Ah. waifu. Salut. Il faut que Foll Salut. démute. Salut. Bon. Bon, là, j'ai une balle. Non, Mais non, ça non, veut attends, dire. attends, attends, ça se passe pas comme Attends, ça, attends, hein. attends, attends, Déjà, attends. tu viens, tu t'arrives, tu te présentes, tu Bonjour. dis Un petit mot? un petit Ouais, mot. j'ai 19 ans, voilà, et je suis venu kiffer, je suis venu vous partager une blague. Vas-y, Ok. vas-y, Bon. vas-y. Ça y est, ça roule, ça Savez-vous y est. quel est un exorcisme inversé? Alors là, je Quand l'ai c'est le pas. démon qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. On va procéder aux notes de la blague. On passe aux notes. On En passe aux vrai, notes. passer deuxième, c'est pas toujours facile non plus, Non, mais mais passer deuxième, tu vois. non, non, mais c'est plus dur, c'est plus dur de passer deuxième, Bon encore plus dur ben, que passer je crois que premier. tu le sais, tu seras pas dans la caca box, tu seras pas gardé. Bon, moi je veux dire, il a fait l'effort, mais Ouais, il a fait bon. l'effort, ouais, ben, il y en a Il y en pas a un qui. nouveau. Attends, il y en a un Il nouveau y en du a un coup. nouveau, ça y est, ah, ça enchaîne là pour une fois. Ukulélé, tu peux te Bonjour, présenter Ukulélé. succinctement? Bonjour, je m'appelle Ukulélé. Ouais. C'était bien. Ouais. Ouais. Alors, je fais ma blague du coup. Ouais. Oui, je pense que c'est le Vas-y. principe. Quel est le meilleur moyen de ne plus avoir des chewing-gums coincés dans les cheveux? Se raser le crâne. Avoir un cancer. Ah. Il était pas loin, il était pas Bah, loin. je préfère Ben celle de Jean, je préfère la c'est. chute de Jean. Ouais, Oui? Tu c'est. vois? Parce que moi, personnellement, je connais des gens qui ont eu un cancer, du coup, ça me fait pas trop rire, mais. Oui, c'est j'avoue. Les pauvres. Donc, du coup, je Ah, mets 2 à ta déjà. blague et 6 à Jean. Voilà. Merci. D'accord. Je mets deux. J'entre dans la D'accord. caca box, donc. Ah, par Merci. contre, je suis plus Merci sur ta cam, beaucoup. Potard. De Je sais rien. pas ce qui s'est passé. Au Je suis plus revoir. sur la cam, Bah, Potard. c'est toi qui as fait un Parce truc, que hein. J'ai rien touché, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est quoi?
Attends. Eh oui, tu t'es enlevé. Oui. Non, mais c'est moi le responsable. Non, mais je suis même pas enlevé. C'est moi la responsable des 6 millions. Je suis en rien. C'est moi le responsable des 6 millions. Fais attention. Non, bah attends, mais c'est une folie, ça. Ah, ça va très 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 vite, l'humour. L'accusation, elles vont trop. Comme vous avez pu le voir. Vidéo Ninja. Ouais, au moins, ils essayent, c'est bien. Moi, je suis content, il y a des gens qui viennent. Oui, non, mais bien sûr. Après, là, il y a la blague est un peu. Ça serait une blague structurée. Une blague structurée. C'est-à-dire avec une histoire. C'est vraiment pas la pire pour le moment. Il y a la chute. Bon, par contre, cette putain de forteresse là. Madros, il a perdu son corps. Bah, j'ai carrément perdu mon corps, je sais pas ce qui se passe là. Attends. Je n'ai plus de. Attends, parce que là. Il n'y a personne d'autre là. Moi, je pense que les vannes de merde encouragent les gens à venir parce que voilà, ils disent attends, c'est mieux que ça, tu vois. Mais là, en vrai. Quoi ? Bah, vas-y, dis le fond de ta pensée. Ah, bah voilà. J'allais attraper Lucky par les couilles et l'amener dans notre channel. Salut, je vais carrément t'envoyer le lien, là. Allô ? Ouais, salut. Allô, Lucky. Hey, alors, tu nous viens d'où ? Tu nous viens d'où ? Aïe, moi, je viens de Paris. Désolé. Wouh ! Ça pue ! Ça pue ! Ça pue ! Ville, ça pue énormément. Hein. Mais moi, je suis grand fan, Madros, je suis grand fan de Bégodeau, hein, comme toi, je tiens à le dire. Ah ! On a peut-être de la raison. Tu m'as déjà immédiatement sympathique. C'est vrai que Madros, c'est le seul fan de Bégodeau dans ce channel. Non, mais grand fan de Bégodeau, d'Antoine Gouya, de tout ça. Bon, bah là, il a peut-être le mécanisme de la blague. On a peut-être un humour plus fin qui se... Ouais. Alors, je sais pas si ça va être très fin par contre. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Rien. C'est une blague. C'est une blague de Baffy qu'il a déjà fait en télé. C'est pas original. Donc c'est du vol. Le mec, il assume pleinement. C'est du vol. Non, je reprends. En fait, t'aurais pas dû le dire parce que là, ça nique. Franchement, ça nique quelque chose. Ouais, mais je veux pas. 5 points au moins. Je peux garder le malais quoi. Non, mais là. Bon, bah fais là. C'est pas grave. Vas-y. Là, en fait, tu t'es mis dans un problème, c'est que t'as mis directement l'un des meilleurs snipers au monde. Et tu vas essayer de faire mieux que lui en la récitant. Et c'est très mal barré. Je n'ai pas cette prétention, Bah. Et pourtant, c'est ce que tu fais pas, ouais, ce que tu fais pareil. Pourtant, t'es venu là. Mais vraiment. T'es venu là. Ouais, je suis venu, j'assume. Alors. Ok, bon bah vas-y. C'est un mec qui parle avec son pote dans un bar et il dit ouais, hier j'ai rencontré une meuf. Putain, elle était super bonne. Je l'ai mis ce qu'elle méritait, tout ce qu'il faut. Et qui dit ouais, mais tu l'as rencontré comment et tout. Et du coup, il lui fait « Ouais, je l'ai rencontré, elle était sur les rails d'un train attachée, elle allait se faire rouler dessus, je l'ai sauvé in extremis. » Et son pote, il lui fait « Ouais, putain, t'es chaud et tout. » Et elle t'a sucé et tout ça. Son pote, il lui fait « Non, il n'y avait plus la tête. » Voilà. Et en fait, là, ça nous montre bien que la personne qui raconte la blague, c'est l'essentiel. Ouais, mais moi directement, quand il l'a fini, après, j'ai l'amertume de me dire que Baffy l'aurait trop bien raconté. Ouais, c'est pour ça, exactement. C'est pour ça. Si t'avais pas dit que c'était Baffy, ah oui, fallait pas le dire. Fallait pas le dire, je te jure. Si tu voles quelque chose, dis pas que tu l'as volé, sinon directement. Oui, mais j'assume, je suis pas un. Non, mais moi, je t'avoue, je t'enlève 2 points parce que tu l'as volé, mais je te rajoute 2 points pour l'honnêteté. Du coup, t'arrives à 0 quand même. Ouais. Ah. Tu as 0. Mais au moins t'as été honnête et je trouve que je te mets 2 sur 10 que... C'est dommage, je suis désolé. Mais ça va, t'as été un des meilleurs compteurs pour l'instant. Et en plus, elle était un peu longue, c'était pas juste une phrase, c'est bien, j'aime bien moi. Ouais. C'est un plaisir. Super. Total, je me permets parce que là sur ma cam, je crois que j'ai un grand sourire depuis tout à l'heure, c'est bloqué en fait sur mon grand sourire. Est-ce que tu peux faire quelque chose parce que... Bah, je t'ai fait rire, non, ça se voit, tu vois. On pourrait croire que je rigole et ça m'énerve. Madros, c'est toi, je mets le lien. C'est toi. Madros, tu peux remettre le lien que je t'ai envoyé. Madros, il kiffe les blagues, quoi. Madros, il kiffe l'humour. Bon, merci, Lucky. Merci beaucoup, mec. Gros bisous. Alors, je vais prendre. T'as pas un générique à mettre là ? Faudrait que vous le mettiez avec Voice Mode, vous l'avez pas vous. Ouais, moi j'ai pas. Non, mais il fait un partage. Le jour fait un partage et il met le générique à chaque fois quoi. Ouais, en gros, c'est le générique on ne demande qu'en rire, tu sais, au début quand ils entrent. Non. Attends, on ne demande qu'en rire, musique. Mais il faut la couper au bout d'un. Parce qu'elle est. Non, c'est pas celle. Enfin, elle était mieux là. Attends, parce que Bonnet qui vient d'arriver. Bonjour Bonnet. Oui, ouais. Salut. La forme, tu peux te présenter succinctement. Bon, Bonnet, 19 ans. Ok, Jean. C'est fou. Vraiment, 19. Non, attends, tu vas voir ton premier générique. L'émission commence à avoir des moyens. Ah. Tiens, tu me mets ça à chaque fois. Tu me mets à partir de 9 secondes et tu la laisses
De 9. De 9 à 16 secondes. Écran. De 9 à 16. Ouais. Je te laisse écouter. Alors, je vais à 9. Ouais, et tu l'allonges jusqu'à 16. Allez, c'est parti. Et donc, on a bonnet! Qu'est-ce qu'il a dit là? Tu parles pendant le générique, mais t'es malade ou quoi? Je suis désolé, mais en plus, tu me contredis alors que voilà. Tu parles pendant le générique. Bon, bonnet. Pas de soucis, bonnet. Ouais, ça va, Yo. T'appelles comment? Bah, Bonnet. Bon, bah, on va t'appeler Bonnet. Bienvenue, Bonnet. Salut, Bonnet. Alors, Bonnet, ta blague. Qu'est-ce que tu es là pour ça tout de même? Ouais. Quelle est la différence entre une tomate et une casserole? La tomate, c'est rouge, et la casserole, on peut y mettre des tomates. Ah, pas loin. La casserole, c'est plus dur à faire entrer dans un enfant de 8 ans. Bon. Non, laisse encore. Allez, tu dégages. Tu dégages. Merci. Regarde, maintenant. Ouais. Dédicace à l'After Ciné. D'accord. Ouais, bah tu t'en vas. J'ai quand même un petit truc à dire. C'est pas parce que la blague est edgy qu'elle est forcément drôle. Hein. Je vous le dis. Voilà, merci. Merci. Attends, parce que. Ok. Maintenant, ça vous en prendra. Maintenant, ça, c'est votre exemple en fait. Là, c'est, ça a été votre exemple. Ok, un nouveau qui est arrivé. Ok. Oh, bonjour. Ça, c'est une voile. Générique. Générique. Ouais. Attends. Générique. Okay. Bah écoute, il fallait aller sur mon truc. On fait de notre truc, mieux. Mieux, hein. Bon, okay. Comment tu t'appelles? Salut. Salut. Moi c'est Ante Creeper. Je viens de Bretagne. Déjà deux points. Deux points. Ok. Alors, juste avant, est-ce que ça a le droit d'être sur un mec de la cacabox? Avec plaisir. On a beaucoup d'autodérision, donc moi je veux dire. Mais après, ouais. Ça dépend. Je n'ai rien contre ce membre, je l'aime beaucoup, mais je vais quand même faire ma blague que je viens d'inventer à l'instant. Oh. C'est un peu geek. Hein. Ok, d'accord. Quel est le point commun entre la mère à Théorus et une barrette de rame? Oh, je sais. Elles prennent tous les deux 64 gigabits. Alors, la chute, c'était, elles sont toutes les deux pleines de bits. Eh ben, voilà. Jean, t'as battu. Dommage. Zéro. Eh oui, dommage. Ah. Tu vois comme quoi la personne... Non. Moi, j'aime bien parce qu'on était sur la même longueur d'onde. En plus, Bretagne, je lui mets 8 sur 10. Merci. Merci, Jean. La prochaine fois, il dit pas la chute de la blague, en fait. Ah ouais, j'avoue. Ouais, non, parce que ouais, c'est, ça pose tout. Mais non, mais désolé, moi, je pensais prendre des devinettes. T'es fatigant, en fait. T'es fatigant. Désolé. Voilà, c'était ma blague. Gros problème, égocentrique. On va pas le raconter. Merci. Voilà. Allez, au revoir. C'est tout pour moi. Salut. Ouais, merci. Voilà, désolé. Au moins il se casse quand on lui dit. Vas-y. J'ai perdu. Il y a une mort. Dure 2 heures. Bon, une autre blague. Envoyez là. On envoie à Proto. Il y en a 3. Ok. Il y a bien un qui va nous faire rire quand même. Alors, attention, nouveau candidat, est-ce que. Il est activé. Hop là. Nouveau candidat. Et il est là. Salut, Sheikart. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alors. Je m'appelle Ninon. Non, c'est des conneries. Elle ment. Voilà. Premier mensonge, ça commence très ok, très fort. Bah on attend ta blague. Bravo d'être venu. Moi j'ai déjà hein, quand même. Je vais vous raconter l'histoire de Douyou. Douyou c'est un Français et il fait du saut en parachute dans un désert et il atterrit sur un cactus. Il croise un Anglais et l'Anglais lui demande Do you speak English? Et Douyou lui répond non, do you speak le cul? Bon, je vais vers mon village là. Je prends du bois. Allez, bonne chance pour le bébé. Hein. Merci quand même. Merci d'être passé. Ouais, t'es à une minute. Bah, reset sinon.
Ah, tu l'as. Oui, d'accord. Bon, les gars qui mettent humour de femme dans le chat, vous n'avez pas les couilles de venir. Oui, ouais, pas dire ça. Alors là, je vais arrêter. Allez hop, moi je mets des points en plus juste parce que vous êtes des connards, vous, dans le chat. Et 2022, voilà. C'est bon. Hein. Les blagues de misogynes pour les gamins de 13 ans. Là. C'est que ça, ils ont que du à dire. Oh, bon, alors, un nouveau qui arrive. Maximum. Salut. Salut. Salut Maximum. Parle pas pendant le générique. Ah, désolé, je l'entends pas, c'est pour ça. Ok, c'est bon. Tu la fermes. Hop là. C'est pas le retour. Pardon, okay. Je parlais à mon chat. Vachement agressif. Ouais, ouais. Ok, ok, allez, vachement violent. Alors, je me présente vite fait. Je viens de Charente-Maritime. C'est Zod, Zod, viens nous faire le plaisir. Ouais. Ah, bah, vous voyez, voilà, c'est Zod, merci à lui. J'espère vous faire réagir comme Zod. Alors, alors, c'est un mec, il rentre dans un bar et il demande au serveur, serre-moi de ce que t'as plus fort. Et le serveur lui dit, d'accord, je vous sers de ce que je plus fort. Il lui sert un cocktail vraiment, vraiment fort, quoi. Et le mec en prend un. Et au comptoir, le gars en demande un. Et le serveur fait waouh, ok, vous êtes sûr? Il fait oui, je suis sûr. Il donne un. Il fait mais ok, je vais vous en donner un, mais pas de troisième, c'est risqué. Et le mec en demande un troisième. Et le gars lui dit, le serveur lui dit mais vous avez quelque chose à fêter? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et il dit oui, ma première pipe. Ah, et le mec il fait ah bah alors si c'est comme ça, je vais vous faire le meilleur cocktail que j'ai jamais fait. Et il fait non non, s'il vous plaît, vraiment le même cocktail. Et il dit pourquoi? C'est que j'ai besoin de faire passer le goût. Eh ben, ça le mérite. En vrai, d'être en dit. Vrai, ça le mérite. C'est d'être dit, c'est dit et je sens que t'as eu du mal à le faire et que moi déjà t'as eu le courage de le faire, donc déjà. Si, bah j'ai trois coulos du Twitch game là. Je dirais que pour la longueur où elle est, ouais. C'est peut-être la. Pour la longueur et pour l'exécution, parce que ça a été très bien exécuté de A à Z. Non, n'abusons pas non plus. Il l'a dit trop vite. Il l'a dit trop vite parce qu'il était stressé. Mais c'est une des chutes que je trouve la plus efficace. Ouais. Mais pourquoi pas, on monte jusqu'à 6,5. Allez, 7 Moi, je mets 5. Bah, du coup, je mets 4. Voilà. Ah, mais c'est très très bien. Tu n'as pas eu. C'est très très bien. Malheureusement, ton ticket pour la cacabox, je suis désolé. Ah, vraiment, mais merci pour la rapidité. J'ai pris mon train trop vite, j'ai loupé le bon train. Bah, tu repasseras dans l'émission prochaine. Okay. Merci Zod. Bah, merci Zod, à vous. Et continue le stream. On fera des films. Ouais, continue comme ça. Ensemble, hein. Continue le stream, mec. Au prochain pour le MC. Il s'est fait. Je te déchire. Bah, au moins, on l'a noté déjà. Kicker, oui. Kicker qui dit la même blague sans trembler du menton. Bah, on t'attend, Kicker. Je te jure bien. Que. Bien, Kicker. Kicker, on t'a noté, pas, là. Je te vois pas dans l'after ciné, Kicker. T'es pas dans vérification, là. T'es pas dans la liste de ceux qui veulent faire des blagues. Il vient de se faire humilier. Alors, Pota, tu vas me dire, il y a trois noms, tu vas me dire celui qui t'inspire le plus. Il y a. Ah bon, bah. On n'a pas eu le choix. Bon, allez, générique. Salut, c'est hop, générique. Attention. Salut, les gars. Allez, générique, attends. Générique. Ouais. Tu parles pas pendant le générique. Bon, allez, hop. Alors. Franchement, c'est insupportable, les gens qui parlent pendant le générique, là. Ça nous arrivait plus d'une fois, ça commence à devenir agaçant. Tu vas commencer à rester tranquille. Attends, bon, là, tu le vires. Vire-le de l'émission. Ah bon. C'est pas grave. Alors, voilà. On va prendre à la place. Salut les pétasses. Salut les pétasses. Salut les pétasses. Alors, salut les pétasses. Salut les pétasses. Tu nous entends? Bon, salut les pétasses, là. C'est insupportable. Ah. Mais pourquoi? Attends. Genre... J'étais mute. Ah, voilà, démuté à chaque fois. Ok, pas de problème. Ok, générique. Yes. Ah, mais super. C'est pas vrai. C'est insupportable, là. Vous avez parlé sur tous les génériques? Allez, présente-toi. Bon, allez, présente-toi. Voilà. Alors, déjà, je vais me présenter rapidement. J'ai 13 ans. Et mon nom, je tiens à préciser que c'est une ref à la vidéo FAQ et c'est pas pour que les streamers disent mon nom et pour que je rigole comme un connard. Voilà. Ok, mais tu peux le changer, bon, hein, sur le Discord. Hein. Ouais. Ouais, je sais, mais c'est la vidéo FAQ. Bon, vous voulez la blague ou pas? Ouais. Oui, on est là pour okay. ça. En gros, c'est entre blague et devinette. Du coup, j'ai vous faire deviner. J'ai imité quelqu'un qui est un membre de la Cacaboss qui soit a été dégagé, soit est toujours dedans. Et vous allez devoir deviner qui c'est. Il y a du culot là-dedans. Il y a du jeu en plus. Il y a du jeu. Moi j'aime bien. Il ramène son concept.
sais, c'est pas le mec qui va lire la blague de Buffy. Non, il ramène son concept, il ramène c'est le truc qu'il a créé. Ok, pas mal, vas-y. Pas mal. Après, les gens ont dit que c'était de la merde. Alors, l'imitation va durer entre 5 et 10 secondes. 3, 2, 1, ça commence. Alors, j'aime beaucoup. C'est Takumi. C'est terminé. Maintenant, c'est Takumi ? C'est Takumi. Moi, je mets Takumi, moi. C'est dans l'esprit, mais c'est pas tout à fait lui. Il est un peu, il est un peu plus sucé, disons. C'est Rémi ? Non, non, non. Pas Rémi. Il parle pas. Il est un peu plus gratté de buzz que Takumi, quoi. Un peu plus gratté de buzz ? Ah oui. Ouais. Et il est... Bon. Il se peut que vous l'aimiez pas trop, justement, pour ça. C'est Snaprock, ça ? Ouais, ouais. Mais pendant une quête, oui, voilà. Non, ouais. C'est très mal fait. Ouais, je me pars, ouais. Si vous voulez. Non, c'est très mal fait. Dommage, très dommage. Fait, mais... au moins, t'es venu avec ton concept, t'as osé... Mais il est venu avec son concept. Fait. Mais ce qui est dommage, c'est l'exécution qui était très mauvaise. Non, c'est mais c'est très mal fait. Ouais, cette vanne-là, avec Takumi... C'était un 8, un 8, ouais, 7. Avec Takumi, ça marche. Snap, c'est plus ouais. C'est plus du, Ta gueule. Monsieur, voilà, tu vois. Ta gueule, connard. C'est faux, faut l'avoir. Après, il y a des fois, j'étais dans son stream, c'était ça, hein. Ah, tu vas sur son stream. C'est rigolant pour le moment, non, mais quand il était dans la CCB, il a jamais fait stream, de toute façon. Tu passes ça, hein. Tu passes ça. Tu t'enfonces, Coco, tu t'enfonces, Coco. Bon, allez, je peux me barrer si vous voulez. Attends de partir. Ouais. Hein bon, ok. Voilà. Bon, pour l'instant, ça pas grand chose, hein, mais toujours pas de prétendant à Kakabo, que ça devient lourdo. Très 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 dommage. Il avait quand même la vanne du sexe. Alors, j'attrape fromage ou Raiden. Fromage. Bah, fromage. Pseudo. Ouais, fromage, bien sûr. Alors, salut fromage. Salut fromage. Ah, générique. Un instant, fromage. Dis-toi, générique. T'attends 6 secondes. Ok, c'est bon. Voilà, tu peux te présenter, fromage. Bon, je m'appelle fromage. Là, Pota qui vient d'annihiler fromage en termes de blague. Hein. Waouh. Fromage. Wow. Vous allez compter. Ah, putain. Ah, micro mute, mais pourquoi il est mute ? Mais parce qu'il faut le démute à chaque fois. Merci, c'est pas trop tôt, hein. J'ai failli m'énerver par contre, parce que là, c'est. Il a été détaché sans même pouvoir répondre, hein, par Potatoes. J'ai bien noté, hein. D'accord, bon allez, la vanne. C'est pas. Oui, toi, Madros, c'est pour toi la vanne, hein. D'accord ? Pardon ? Oui, oui. Par contre, tu vas te calmer. Non, mais par contre, tu vas te calmer. Non, mais tu écoutes bien. Être énervé, c'est pas une vanne, donc vas-y. Mais t'as pas de chance, je me suis fait du mauvais pied. Parce que tu sais quoi, Madros ? Ta mère est tellement grosse qu'avec ton père, ils occupent un lit 3 places. Voilà, je suis venu pour dire ça, c'est tout, en fait. Bah, moi, c'est ça tout. Me concerne pas, du coup, ça me plaît. Ouais, voilà, pour la gueule à Madros. Madros, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette blague ? Mais on en est là, c'est-à-dire qu'il vient, il joue le mec énervé pour faire une vanne sur la daronne. Non, mais, enfin, je... Sois plus cherché la prochaine fois, c'est pas un personnage que tu joues, travaille ta vanne en longueur. Ça a été plébiscité, quelque chose de beau. Ça a été plébiscité plutôt, hein. Plébiscité. Pardon ? Par qui ? Ça a été par plébiscité. Les gueux ? Par les gueux ? Ouh là 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 là. Plébiscité. Rien. Si ça c'est plébiscité, bah je sais pas ce qu'on aura comme meilleure vanne. Hein, parce que, Eh ben on verra s'il y a mieux. Voilà, moi j'ai fait mon clash, je suis content. Hein. C'est ce que je voulais dire. Hein. Bon, ouais, casse-toi. Je pense qu'il y aura... Je vais déconnecter. Ok. Bon, bah là, il y a cassé des culs. Bon, est-ce qu'on... Encore un pseudo qui veut tout dire. Alors, attention, cassé des culs. Générique. Bonjour. Attends tous. Cassé des culs. C'est parti, générique. Quel est le point commun ? Mais générique ! Ah, mais on ne battue pas pendant le stream, tu continues. Pour l'instant, je l'appelle, je remets le générique. Voilà, c'est bon. Putain, il est insupportable. C'est toujours la Qu'est-ce même que le... Point commun. Non, non, mais tu te présentes. Mais tu te présentes même pas. Non mais attends, t'es si pressé que ça de faire ta blague. Non, qu'est-ce mais... que le point. Pardon. Tu veux... Non, mais tu veux. Mais aller présente-toi pisser, tu veux aller pisser ou quoi là. Il est malade lui. Bah, la présentation. Voilà, la présentation. Voilà, il y a une certaine procédure à respecter. Bonjour Léo, 25 ans. Voilà. Enchanté Léo, 25 ans. Tu viens d'où Je reconnais l'accent. Du sud. Et voilà, j'avais dit, j'aurais pu le deviner. C'est un peu vaste, mais le sud. Bon allez, c'est parti, lâche-toi. Alors, quel est le point commun entre le Viagra et Lucifer ?
Alors là, je sais pas. Alors là, je sais pas. Non, bah vas-y, réponds. Vas-y. Satan la bite. Oh! Bah non, parce que Lucifer, c'est... techniquement, c'est Satan. Alors, non qui est Lucifer? Ouais, ben. Bah... C'est un rappeur. Non, Lucifer, c'est le lieu. C'est le lieu. C'est un rappeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, Lucifer? Mais Lucifer, c'est Satan, il me semble. Lucifer, c'est Satan, mais non, attends, pourquoi la bite, du coup? Satan la bite? Parce que, non, mais parce que le Viagra, ça tend la bite. Oui, d'accord, mais ouais. Si c'était Lucifer seulement, pourquoi, mais, ça, pourquoi il y a de la bite après? Mon gars, Lucifer, c'est les enfers, c'est pas forcément le diable. Tu payes combien ou... de temps? Ah, c'est les enfers, ah, d'accord, ok, autant pour moi. Autant pour combien, moi, y a pas de problème. Tu payes combien ton essence? Je paye pas. Voilà, donc, j'ai pas de voiture. Voilà, on a, bah, c'est bien pour ça. On a un mec au RSA. Allez, on a un assisté. On a un assisté. Allez. C'est insupportable. Ça ferme. C'est insupportable. Salut, assisté. Ah, ça y est, j'ai pas de voiture, je travaille pas. Ah bah oui. Bah on ah bah, c'est déconnecté, A plus B. L'assisté. A plus B. Je l'ai assisté pour se déconnecter. Allez. Allez hop. Bon. Bonjour. Oh y'a. Attends, générique. Hop, un instant. Générique. Coco, générique. Pardon ? Il est fini là, le générique. Non, non, il était pas fini, c'est moi qui décide. Il était pas fini. Fini, non, il était pas fini. Donc t'as coupé le générique. Bon, là c'est fini, c'est fini. T'as coupé le générique. Oh, oh, oh. C'est insupportable. Vas-y, présente-toi. C'est pas grave, pas. Mais t'es insupportable. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Un peu de respect. Désolé. Vas-y. Donc, on m'a dit de me présenter, bonjour, je me présente. Ouais. Vas-y. Présente-toi. Bah, ton prénom. Mais oui, présente-toi parce que bonjour, oui, oui. C'est pas une présentation. Ok. Ah, il a gagné, il me fait trop rire. Non, je faisais la... Ah oui, d'accord, bon. Non, mais on m'a dit de faire. Je peux faire ma vanne. Oui, tu peux. Mais attends, mais bien sûr. Non, mais. Mais pour ça. Allez, vas-y, fais ta vanne. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonsoir, je suis Pablino. Elle a fait mal. T'as fait pleurer mes gosses là. T'as fait pleurer mes gosses là. Ah. Eh ben, voilà. On te souhaite. Écoute. Tout le bonheur du monde. T'as écrit ta propre histoire. On peut dire que. Ramadan Moubarak, ciao. Oui. Voilà, moi je sentais mal déjà, ça partait en absurde dès le début, raison. Moi j'aime pas ça, donc ça dépend. Bras, c'est très cool. Oh, Mégaril qu'on attrape directement par les côtes, attention. Aurait... Désolé Madrose, on aurait eu le pérage, je pense ouais. Ça aurait été bien mieux, mon avis. Comment non, mais on est pas absurde. Comment on enlève le muet là? Moi je le vois. Attends, c'est non bon, mais c'est lui qui s'est mis muet, c'est lui qui s'est mis muet. Alors attention, c'est toi qui décide. Attention Mégaril, là c'est le générique. Attends, c'est lui qui décide, c'est lui qui se met muet, donc c'est insupportable. Appelez-moi tout de suite Jean-Bendigui là, c'est insupportable. Hop là, le là quoi le allez, allez. Présente-toi, Mégaril. Succinctement. Alors, je viens de Belgique, j'ai la 20 ans. Pota, s'il te plaît. J'ai déjà le sourire. J'ai déjà la larme aux yeux. Oh non, mais. Bon. Okay. Alors, quel est le fromage préféré des Schtroumpfs? La mitraillette. Le bleu d'Auvergne. T'as pas fait mouche. T'en as une moi autre? j'ai préféré quand il a dit je viens de Belgique. Ouais. Ben oui. T'en as une autre ou pas? Ouais, oui, j'en ai une. Tu sais, comme à la Nouvelle Star, quand la première chanson marche pas, bah il ramène. Oui. J'en ai une autre. Ouais. Ouais. Alors, c'est un cow-boy là, il rentre dans un saloon. Comme non, ça. Non. T'as celle-là. Elle est classique. C'est vrai qu'elle est classique. Non, mais tu vas pas. Vas-y, fais-la voir. Ouais, peut-être qu'il. En gros, c'est un petit cowboy qui rentre dans un saloon comme ça, tout énervé. Et il demande qui c'est qui a peint mon cheval en bleu? Et t'as un mec, un grand gaillard comme ça qui se retourne, il dit c'est moi, pourquoi? Et il lui dit c'est pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Elle était bien exécutée, je dois le reconnaître. Ah, c'est gentil. Oui, c'était mieux que Guillaume. Mais. Je suis parti quand tu l'as fait. Parce que j'en ai marre de ces vannes qui sont censées être ironiquement drôles, mais qui ne sont plus, donc moi tu me fais plus rire. Voilà, tu me fais pas rire. Madame J'ai quitté pour pas l'entendre. Voilà, Madrose bon bah. Incisif, au moins il y a de l'exécution un petit peu. Ça va pas fonctionner.
Ça n'aura pas fait son boucan. C'est dommage. Ça n'a pas fonctionné. Allez, merci quand même. Merci à toi. De rien. D'être passé. Merci à toi. Madrose, salut. Hein. Bon, là, ça devient gênant. Là. Bon, allez, déconnecté. Ben, non, mais c'est bon. Non, les petits clins d'œil à Madrose, ça va. Allez, alors, si c'est pour séduire le jury, on est où, là? Ouais, si c'est pour parler qu'à Madrose, autant aller sur les streams de Madrose. Alors. Ah, bien dit, bien dit. Salut, Kala, attention, Kala. Salut, attention, pas parler. C'est le générique, ne parle pas. Voilà, le générique est terminé. Tu peux à présent te présenter. Alors, bonsoir. D'abord, bonsoir, proto oui. Très sympa. Voilà. Proto, attends, ça c'est génial. Déjà, il suce le modo, bravo. Très, bravo. Très fort. Il sait ce qu'il fait. Oui. Je viens de Bretagne. Voilà, wow, système. Alors là, déjà, c'est un point. Deux points directs. Bravo. Moi, j'aime bien. Ça commence très vite. Alors, ma petite blague, c'est quel est le point commun entre un enterrement et le stream de Zod? C'est pas. Le silence. Merci. Je t'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais. Zod, ça fait quoi? Ça fait déjà 2 mois qu'on le vanne plus. On est passé à autre chose. C'est comme si t'arrivais là. Je sais pas si c'est aussi dur. Je pense que le ton a pas été du tout. Non, ouais, parce le que, ton, oh, mais. Il y a du stress énorme. Ouais, honnêtement, bien appliqué, j'aurais peut-être pu sourire, tu vois. Mais c'est après, au moins, il arrive dit. Avec. Sa blague à lui. Oui, c'est une blague originale. C'est une blague originale. Oui, c'est pour ça. Après, oui, donc, Zod, ça fait quand même bien 8 mois qu'on va pas vanner, ouais. Si je compte bien. Ça commence à dater. La cacabox, ça va très vite. Hein. C'est du fast. Hein. On vanne ouais. Quelqu'un, on a déjà passé ça à bouge. Un autre mec. Ouais, faut ça suivre. Va à une vitesse. Le temps que la VOD est sortie, on a déjà changé de cible. Hein. C'est, et oui. C'est du fast. C'est des blagues en go fast. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait... C'est des drive-by qu'on fait, en fait. La chute était prévisible, parce que... Ouais, là, ouais. On connaît le profil. Ben ouais, moi honnêtement, je me suis dit peut-être qu'il allait sortir quelque chose d'imprévisible. Donc, je reste sur mon 5 pour, oui, bah, pour tes ouais. Aptitudes physiques, mentales, mais la vanne, c'est 0, donc c'est 5 sur 10. Alors, donc, allô, Kebab qui arrive. Salut, Kebab, attention, générique, Kebab, tu fermes ta gueule, attention. Générique. Eh ben, j'entendais pas. Ok, j'ai une super vanne. Elle va... non, présente-toi d'abord, s'il te plaît. Ah, bah, oui, moi, attends. C'est Kebab. Je suis à Paris. Voilà. Pourquoi tu t'es appelé comme ça, tiens? J'ai trouvé mon pseudo sur Agario à 12 ans et je l'ai jamais changé. Voilà. Parce que ça me faisait rire. Zéro l'anecdote du pseudo. Mais... Ah, pardon. Désolé. Ok, j'ai une vanne. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mouette volante. La chute, elle arrive? Non, c'est tout. C'était juste moins de volant. C'est tout. Ah ouais, c'est tout. Je voulais partager ça. Bah, ça fait toujours pas une bonne vanne sur 400. Hein. Bon, bah, au revoir. Bonne chance. Super live, genre, hier. Et super live, Madrose. Voilà. Je passe au dessus. Merci. Hein, ça, c'est... Moi, j'aime non, bien. Non, mais ça augmentera. Et Fuck des racines qui m'a pas pris dans les moteurs et qui parle que de seul tout le temps. Voilà. Ça l'empire. Pardon. Bonne chance, hein. Ouais. Bonne chance. Je sais pas quel métier il va faire, mais allez. C'est marrant de voir à quel point ils essaient de s'approprier des vannes avec des membres du groupe, mais que c'est un flop immense. Parce qu'on a vu pour avec Saprox. Ah, c'est Kiri coucou. Non mais ouais, surtout qu'il y avait pas de vannes. Mais là il y avait bon bah c'est non mais voilà on... toujours ironiquement drôle quoi. On a Kiri coucou qui vient d'arriver. Pour le moment il est mute. Je sais pas s'il m'entend, mais je vais mettre le générique donc au moins ça. Ouh, Grim a rigolé, il a rigolé dans le chat. Générique. Avec Grim, tu vas passer faire une blague. Hein. Attends. Attends, j'ai un truc. Grim, tu vas passer faire une blague. Hein. Oh. Ça va être obligatoire. Rigoler. Tu permets de rigoler des gens de leur performance, tu vas faire une blague. T'en trouves une et tu viens nous la faire quand c'est bon. Ok. Ah, Kiri coucou, ça y est. Voilà, démute, j'ai fait le générique okay. Donc. Bon, le générique est fait. Salut Kiri coucou, présente-toi. Succinctement. Coucou, j'ai 19 ans et puis voilà. Et puis ça voilà, et c'est tout, c'est ta vie, voilà. S'arrête là. Une vie bien vide. J'habite à Nancy, voilà. Moi je suis pas en Bretagne. Ok, le mec est direct, il attaque quoi. J'attaque direct. Alors, allez. C'est un mec. Allez. Ah, c'est une histoire d'un mec déjà, j'aime bien. C'est un mec, il va chez un coiffeur pour se faire couper les cheveux évidemment.
Et il repère une fille très chrétienne, très dans la religion, et il demande au coiffeur, celle-là, elle est pas mal et tout, est-ce que t'aurais un moyen que je puisse la contacter? Et je lui dis, ouais, c'est parfait, en plus, j'ai acheté un truc sur elle. Elle est vraiment croyante, elle croit en Dieu, et il paraît que tous les soirs, elle va prier dans un cimetière, et que si t'es déguisé en Jésus, elle fait tout ce que tu veux. J'ai des potes qui l'ont fait, ça marche, tu pourras lui faire ce que tu veux. Et le mec il dit, putain, c'est super, vas-y fais-moi une petite coupe et tout, et vas-y je vais faire ça. Donc le coiffeur lui fait une petite coupe, il se met bien et tout. Le soir, il va dans le cimetière pour voir la chrétienne, et il avait un costume de Jésus du coup, comme le coiffeur lui avait dit, et il commence à l'enculer et tout, sauf que la fille elle dit avant... j'aimerais que tu fasses par les fesses, parce que j'aimerais garder ma virginité. Et du coup, le mec qui est parti chez le coiffeur dit pas de souci, ok. Donc là, il commence à l'enculer, il l'encule sec, il la tambourine. Et là, arrivé un moment, il en peut plus. Et en fait, il enlève son costume de Jésus, il dit paf, c'est le gothique. Et là, la chrétienne, elle enlève son déguisement aussi, il fait paf, c'est le coiffeur. Ah non, elle est bonne! Elle est bonne! Bravo. Elle est bonne! On en a une de bonne! Merci, bravo! Merci, bravo. Merci, alors là, merci. Je suis satisfait! Oh, c'est un 8 sur 10. Un 8 sur 10, c'est ça, il m'en méritait. Merci. Et voilà, les gars! Très bien exécuté, très bien exécuté. Ah, moi, je la connaissais bien pas! Il m'a eu, tu sais où tu m'as eu? Tu m'as eu sur les. Et paf! Voilà, tu m'as eu. Le paf! Le stress, il s'est pas ressenti. T'as bien géré ta vanne. Alors, félicitations! Félicitations! Franchement, bravo. Alors, prenez des notes. Pour moi, c'est un 9. Prenez des notes. Pour moi, c'est un 9, on a quel coup. Ah, voilà. Alors, je vois Flagorner qui dit, il la raconte tellement mal. Bah, écoute, je... Eh ben, Flagorner, vas-y, viens là. Non, c'est vrai que l'autre, on l'a raconté. On aurait pu faire mieux. Pardon ? C'est un manque de confiance en soi que j'entends, là ? Non, du tout. Tu veux qu'on tue la bite ? Tu veux qu'on... Non, non, je veux pas que tu... Voilà. Voilà, attention. Voilà, c'est bien. Assume pleinement ton statut. À tous ceux qui passent leur partiel, quand même, parce que c'est dur. On les emmerde. T'as raison de les emmerder. On emmerde les partiels, voilà. C'est ça que t'as dit. Bonne chance à tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance à toi, potable. Pour le PB, on y croit. Ah ouais, t'es homophobe, tu m'as dit avant. Bon, allez, on y va. Allez, à la prochaine. On va faire venir le prochain. Ah, le prochain, il y a Will Smith. Il y a Grim. Grim, j'en ai rien à foutre, tu viens. Oui, Grim, là. T'as accès au Chanel, hein. Tu viens quand tu veux. Tu viens maintenant. Tu peux rentrer. Viens faire ta blague. C'est pas grave. Tout le monde est passé. Regarde, en plus, là le Kmush, quand même. Attends. Nordis se lance. Madros. Mais on a, c'est vrai qu'ils nous font pas énormément rire. Par contre, il n'y a aucun dérapage depuis le début. Et ça, bravo. Eh bien. Oui, c'est vrai. Bravo. Bien sûr. Ah, salut Ali 93 MFMC, attention Ali 93, je vais lancer le générique. Le générique, on dirait pas parler. Ok, à toi Ali 93 MFMC, présente-toi Coco. Alors, je m'appelle Ali. Il s'appelle Ali. J'habite dans le 93. Ok. Ota, tu m'as enlevé le VIP, je l'oublierai jamais de ma vie. Alors, sache-le. Si tu commences à te plaindre, je vais te mettre un 0. Ok, alors on va commencer directement la vanne, je pense. Ouais. Ok. Alors, Madro, je sais que t'es littéraire, je sais que t'aimes beaucoup la littérature, etc. Cette vanne, je vais la prendre directement dans le livre La Sagesse Extravagante de Nasser Eddin. Marche. Ok. Je vais commencer, je vais le lire, donc maintenant. Une fois de plus, Nasser Eddin a perdu son âne. Au lieu de partir à sa recherche dans les collines environnantes, il parcourt les rues du village en criant « Oh merci, merci Allah, le bienveillant, grâce te soit rendue Allah !» Les personnes qu'il rencontre ne sont pas loin de penser que la perte de son compagnon préféré lui a dérangé l'esprit. « Hodja, es-tu devenu fou? Tu remercies le ciel d'avoir perdu ton âne au lieu de l'implorer ?» Au lieu d'implorer son aide ? Oh, tête vide, s'emporte Nasser Eddin. Vous ne comprenez donc pas que si j'avais été sur le dos de mon âne, quand il s'est égaré, je serais perdu, moi aussi. Le ftour, c'est à 22h.
Merci pour le rappel. Ouais, on va en parler sans toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'attendais la chute. Bah justement, mais en fait, vous comprenez pas, c'est que qu'on a compris. Il y a toute une analyse à faire derrière ça. C'est ça que tu comprends pas, toi. Ah. Ok, donc bah, c'est personnel. Ah, tu l'as carrément viré. Bah écoute, waouh. Non, vous m'avez réveillé de rire. Excusez-moi, hein, bien sûr, mais en tout cas. Eh ben, non mais attends. Mais attends. Il est pas revenu. Attends, Will Smith. Juste, on va attendre que Potin s'en remette de la dernière. Donc t'as intérêt à faire sensation. Juste, je suis en muet. On te laisse. On te laisse encore du temps pour te préparer. Mais en tout cas. Contre sa blague. Hein, c'était particulier. Ah, c'était pas extrêmement bien exécuté parce qu'il y avait beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures, il avait du mal à lire, mais quand même, le fait de venir lire le Coran, déjà, ça me fait beaucoup rire. Je crois pas qu'il. C'est pas le Coran qu'il a lu, il m'a dit que c'était. Non, mais une idée de vanne. Une idée de vanne, voilà. Ça te fait rire, ça? Bon. Désolé les gars. Attends, mais vous parlez plus là? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Bon, rien du tout. Oh bah y'a Grim. Attends, Grim, qu'est-ce qu'il fait Grim? Bon Grim, tu veux venir ou pas faire ta blague? Pourquoi ça parlait plus là depuis tout à l'heure? Non, mais parce que là y'a Will Smith qui est là. Y'a Will Smith qui est là. Will Smith qui a été mute par Mad Rose. Mais pourquoi? Parce que il faut qu'il fasse l'intro. Attends, je démute Will Smith. Salut Will Smith, on fait l'intro. Tu permets? Ça marche. Et je te dis quand tu peux y aller. Vas-y. Oh. Très bien, tu peux y aller. Tu peux te présenter. Bah bonjour à tous. Je m'appelle Will Smith et c'est le vrai. Voilà. Attends, me mets pas une claque, mec. Là, je suis un peu tendu ce soir. Vas-y. Non, c'était pour détendre l'atmosphère un petit peu et faire une petite référence à ce qui s'est passé il y a un mois, je crois. Oui, c'est ça le mot. Il n'y a pas de souci, ouais. Alors, ma petite blague. Comment appelle-t-on un chien sourd? Je sais pas. Pas mauvaise. Merci. Et tu as bien exécuté. C'est très court. Ouais. J'aime bien. 7 sur 10. Merci les gars, merci beaucoup. Allez Grim, c'est à toi. Félicitations Will Smith. Allez Grim, tu peux venir. Attends. Merci à toi. Avant de mettre quelqu'un, qu'est-ce que t'as fait Mad Rose là? De quoi? Est-ce que t'as dérapé? Nanana. Non, il n'y a pas eu de... Dis-le, Mad Rose, ça ira plus vite. Clairement. T'es sûr? En tout cas, je crois que... Peut-être on s'est mal compris. Jean. Avec le... Arrête, je dois enlever la VOD s'il a dérapé. Il a... Non, en vrai, il a rien dit. Non, j'ai, pas... non, j'ai rien dit de... Il a rien dit de... En tout cas, je m'excuse. Je t'invite à être la générique parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Oh, tu fermes ta gueule sur le générique par contre, mec. Hein. Bon, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Présentez-vous, je monsieur. Je suis Grim Cujo, je suis un viewer, je suis Septier 3. Très bien. Déjà, j'aime pas déjà. Ah. Bah, déjà, Septier 3. Au niveau de la voix, il me casse les couilles, mais bon. Oui, le ton, t'as de quoi? Tu flippes, t'as peur là? D'être avec lui? Tier 3, ça suce. T'as la trouille? Très, très, très fort. Non, mais arrêtez, c'est fou, mais il y a du beaucoup de. T'as pas intérêt à bégayer, hein? Allez. Je veux pas te mettre la pression, mais. Parce que la blague d'avant était très drôle. Bon, tu la commences ta blague. Il y a un peu de viewer dans. Bon, tu la commences ta blague. Ok. Allez, commence ta blague là. Commence ta blague. Bon, commence ta blague. Quelle est la mamie? Allez, commence ta blague. 1, 2, 3. Laisse-moi dire la blague. Ah, pardon. Ok, t'es propre. Oui. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Mamie Traillette. Bratatata. Mamie Traillette. Aïe aïe aïe.
Moi, je trouve que l'exécution était pas trop mauvaise. Mais l'exécution, elle est pas très mauvaise parce qu'il nous connaît. Il est à l'aise avec nous. Voilà, mais imagine, imagine, il aurait rejoint avec la même vanne le vocal de Locklear. Tu penses vraiment qu'il aurait la même à l'aise? Ma mitraillette, ce qu'il faut prendre en compte, Jean, c'est qu'il jouit de l'aisance qu'il a avec nous parce qu'on se parle tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et il en profite même pas. T'aurais pu faire une super blague et t'as décidé de faire la mamitraillette. Et ta mamie, je la baise. C'est une blague qui marche pas partout, Grim, parce que les Belges, la mitraillette, c'est un sandwich, quoi. Donc, Putain, j'ai pas pensé ça. Fais-en une sur 4 subs, si tu vois ce que je veux dire. Fais-en une sur 4 subs. Ok. Quel est le plat préféré de 4 subs? 4 subs au ketchup. Ah, c'est trop vite. Ah, bah, moins bien, du coup. T'as dit trop vite, ça dit trop vite. Elle était plus drôle hier. Quelle est la chaîne préférée de The Gill? Gully. Ouais, bah, pareil, c'est mieux à l'écrit. C'est mieux à l'écrit. Aïe Pierre rentre dans un bar. Bonsoir, et Pierre, que vous allez vous prendre? Une aïe bière. Il les enchaîne. Mais il est sur Blackboard. Non, regarde l'exécution, Madrose. Regarde. Il est sur blagueryoutuber.com. Je suis blagueur professionnel, je vais te l'exécuter à la perfection. Vas-y, je sais plus comment elle s'écrit. Ah merde. Le grenade. Attends, j'essaie de te l'improviser. Je te l'improvise. Ouais, vas-y. Aïe Pierre qui se cogne l'orteil contre un mur. Aïe Pierre. Alors, pas mal exécuté, hein. Ouais. Il y a une juxtaposition des mots. Oui, mais Madrose, dès que t'es mec méprisant, on l'attend ta blague, Madrose. Aïe Pierre qui arrive en Angleterre et croise un mec qui s'appelle Pierre. Aïe Pierre. Comment Frigiel prépare ses plats? Il les fait frire. Frire, Frigiel. Non, il les met au frigidaire. Quel est le chewing-gum préféré de Frigiel? Le frident. Non, le Oshimun chewing-gum. Bon. Ou Grim drague des meufs. Sur Snapchat, c'est un gros porc. C'est faux. comment faisait... blague remplie de vérité. En tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. On peut s'arrêter sur ça. Non, on s'arrête pas sur ça. T'es malade ou quoi? Attendez. Mais Madron, j'ai dû se casser. Grim, tu veux remplacer le jury, là? Donnez une dernière, après je laisse ma place. Grim, non, tu laisses pas ta place, attends. Grim, j'en fais une avant toi. Quel est le fruit préféré de Grim? Coco.fr. On n'arrête pas tant que j'ai pas fini ma run, là. Ok, regardez. Comment faisait Frigiel pendant le Covid-19? Il mettait du Frigiel hydroalcoolique. Pff, ta gueule. C'est très 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 sûr. Bon. Grim. Oui. Reste le temps qu'on finisse le truc. Je finis ma run. Tu es le jury mystère. Ah ouais. On peut repasser d'autres gens. Si je peux sauver les gens. Allez, on continue. Donc on est trois maintenant. Alors, j'en attrape. On va enchaîner. On est Vincent, partage de gens pour avoir la musique du générique. Ah oui, merci, ouais. Générique. Voilà. Il y a du monde en tout cas, hein. Ouais, il y a de plus en plus de monde. Vous avez alors, peur du plop. Osius, ça fait longtemps. Ah, bon, bah, c'est grâce au premier. Eh ben, c'est Munixi, attention, tais-toi. Générique. Générique. Yes! Présentation. Woo! Let's go! Alors, Oh, Tibro! Comment tu vas, Tibro? Tibro, c'est Tibro. C'est ça ta blague, Tibro! T'as fait genre de te faire passer pour quelqu'un d'autre! Allez, avoue-le! Avoue-le! Allez, imite-le là! Imite-le. Allez, imite! Allez, imite Tibro, c'est bon! Tout note! C'est pas mal, non? Il a bien imité, hein! Ah, Tibro, il est fort! Il est fort, Tibro! Il est très très fort! Oui. Bon, allez. La blague. Ouais. Ok, alors, je peux me présenter ou pas? Je suis Tibro, au final. Non, t'as Tibro, du coup. Bon, on connaît Tibro, fais ta vanne, tranquille. Ah oui. Du coup, ma vanne, pour rétablir la justice dans ce vocal, Jean a l'air de dire, bon, bah, je vais monter des figures Barbie en live, allez, hop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vanne. Waouh. Alors là... Waouh! Elle est piquante! Elle est piquante! Elle est bien trouvée! Elle est bien trouvée! Elle attaque! Elle est un peu comme. Une réponse? Attends, une réponse de Jean? Je trouve la blague pourrie, quoi! Attends, le merde! Non, mais attends! Si je puis me permettre une petite désamorce avant tout, c'est avant tout pour rétablir
rétablir la justice, vu que Mad Rose a été attaqué et honteusement. Mais je n'ai rien contre Jean personnellement, j'aime beaucoup ses lives. Voilà. Donc en gros, tu assumes pas tes blagues. Tu assumes pas tes blagues et tu vas le sucer le jury après. Assume, assume jusqu'au bout. Assume la justice. Moi, écoute, j'allais mettre 0, finalement, je mets 2. Hein, Moi, je mets. Attends, vu l'exécution, le travail d'écriture, je mets quand même un bon 8 sur 10. Tu mets nos deux notes, ça fait un donut. Oh ah ben voilà, on y revient. Tu vois, c'est juste du tac au tac en fait. C'est du tac au tac. C'est ça l'humour. Mais non, félicitations quand même. Merci, je prends. Félicitations, moi, bébé. Je te dis plutôt honorable 4 sur 10. Ouais. Eh ben pas mal. Allez, je te laisse. Salut Mimixi. Bravo, pas mal. Ça monte. De plus en plus, ça monte en niveau, je trouve, quand même. Et c'est on peut le dire, quand même, c'est de mieux en mieux. Bon, il y a eu un flop pour l'instant, mais... Est-ce qu'au début, c'était insoutenable ou pas? Ouais, au début, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Ouais, mais quand même, fallait que ça commence. Et le mec a commencé, il a quand même eu les couilles de venir en premier. Ouais, mais et l'humour, c'est libéré dans ce vocal, je trouve. Voilà, il y a... Non, ça monte un peu avant. Ah, ok. Allez hop, alors, qui d'autre? Allez hop, quel est le comble pour Titi? Être sans gros miné. On enchaîne sur le prochain. Virmog, ne parle pas trop. Virmog. Ouais, les BG. Oh non, il y a Grim. Oh non. Ah bah t'avais me fait rire. Mais ça joue. Merde. Non, moi il me fait pas. Bon allez hop, le générique. Déjà moi j'enlève 2 points parce que s'attaquer à Grim c'est une facilité. C'est un tapis. Ah, my bad. Mais j'aime bien les tapis. Il faut des likes, il faut manger, il faut remplir le frigidaire. Mais bref. Alors, j'ai 18 ans. Mais en vrai, avant de faire ma blague, je voudrais porter un petit toast au compte Twitter Remly Tennis. Enfin, bref. Ça, c'est beau. Du pur contenu. Bref. Remly Tennis, vas-y. Vroom. Allez, ma blague. Alors, dans un ascenseur se trouve une vieille dame. L'ascenseur s'arrête à un étage où une belle femme entre. Son parfum se faisait ressentir. Elle dit « Dior 200 euros la bouteille ». La vieille femme ne dit rien. L'ascenseur s'arrête à l'étage suivant et une femme encore plus belle entre et dit « Chanel 300 euros la bouteille ». La dame ne dit rien. Arrivée au rez-de-chaussée, la femme sort et lâche un énorme paix et dit « Flageau de la Chili Lidl, 40 centimes ». C'est quoi cette merde? Mais c'est insupportable parce qu'on a rien compris. J'ai full lu. Bah c'est des bouteilles de parfum. Il y a beaucoup trop d'énergie. En fait, il y avait de l'énergie, il y avait quelque chose que trop d'énergie, un surplus. Le problème c'est que t'as tout lu et du coup ça se sentait mais tellement. Bah ouais. J'étais perdu et d'un coup t'avais flash à la chili de prout et ça m'a perdu. Il avait trop peur que ça floppe, il l'a dit perdu. Ouais, on n'allait pas te virer au cours de la blague. Moi pour le coup la surprise du flash à la chili de prout, moi il m'a eu sur la surprise du flageolet là. Le flageolet en vrai ça. Non franchement c'est juste que t'as été trop rapidement. Ah c'est pas grave, on a la sortie. J'aurais pu prendre le temps. La mise en bouche était maigre mais la conclusion était propre. Ok. Je reviendrai meilleur. C'est quand même. Ah bah. Non, j'ai mis 50 ans à trouver une vanne. Hein. C'est pas grave. Hein. T'as pas trouvé, t'as cherché sur internet. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai lu et que j'ai galéré. Bah t'aurais dû l'apprendre par cœur. Comme à l'école. Ok. C'est du boulot avant de venir ici, Virmog. Mais je travaille pas. Je viens avec une lecture. Il faut faire passer. J'ai essayé de faire la méthode Mad Rose que ma prof m'a apprise, mais bon, ça marche pas très bien. Je refais une run ou on arrête là, on fait passer un dernier mec. Un dernier mec? Ou je sais pas, comme vous voulez. Jean. Salut Virmog, merci. Allez, bisous. Allez, merci quand même. Je fais une dernière run ou on fait passer un... Écoute, une dernière run en vrai. Ça me ferait chier de couper maintenant alors que le niveau commence à monter petit à petit, quoi, même. Ça se comprend. Allez, vous savez quoi? Il y en a un là, ça fait depuis tout à l'heure, je le vois, je le ramène. Tu le ramènes toi-même. Okay. Salut Cosius! C'est Cosius! Attention Cosius! Tu connais, je crois que t'as compris. T'as compris l'affaire. Je comprends comment ça se passe. C'est d'abord le générique et après tu parles. Générique! La 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 la
Alors, donc, une blague qui sera vide, non, j'espère. Non, mais non, et mais que là, vous connaissez pas. Non, 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 tu t'es pas présenté. Non. Présente-toi. Ouais, mais bon, ok, ouais. D'accord. On est sur un live de bienveillance, voilà. Pas simplement. Son prénom, c'est Jonas. Pas de la bienveillance, c'est savoir. C'est du savoir-vivre. L'interlocuteur. Où est le rapport avec la bienveillance? Non, mais. Sur non, aucune rapport. D'accord. Merci. Ok. Je peux vous faire la blague? Non, tu peux te présenter. Ah, tu peux nous faire la blague. Présente-toi avant. Ok. Alors, la blague, c'est un gars qui est désespéré. Il veut se suicider. Voilà. Il a perdu sa femme. C'est toi. Bon, fallait pas le dire, mais merci. Blague autobiographique. Bon, allez, enchaîne. C'est un gars qui est désespéré. Voilà, il s'est fait quitter par sa femme. Il a perdu son boulot. Il est à bout. Il veut se jeter d'un pont. Il commence à passer par-dessus la barricade. Et là, un gars arrive en courant en lui disant: qu'est-ce que tu vas faire, mec? Arrête-toi tout de suite, etc. Il essaie de le remettre un petit peu ses esprits en place, etc. Il lui dit: écoute, fais pas ça, je suis une fée, je peux t'aider si tu veux, je peux exaucer des rêves et tout ça. Le mec désespéré, il lui dit: oui, bon, ok, c'est ça, ouais, il faut aussi que je t'embrasse, etc. pour que ça se réalise. Il lui dit: bah, pas tout à fait. Désespéré, le mec lui dit: ok, je veux bien écouter, etc., ce que tu veux me dire. Donc il passe par-dessus la barricade, il lui dit: alors, pour réaliser les vœux, il faut que tu... Désolé. Pour réaliser les vœux, il faut que tu baisses ton pantalon. Le mec désespéré ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Il se défroque. Il dit: ok, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Et le mec lui dit: ok, tu te retournes, tu regardes là-bas. Il dit: ok, super. Et là, la fée, soi-disant, le prend par les hanches et l'encule à sec. Vraiment, il l'encule à sec. Et il lui dit, pendant qu'il encule, et sans indiscrétion, dis-moi, t'as quel âge un petit peu? Et le mec, à bout, lui dit: j'ai 45 ans, pourquoi tu me dis ça? Et le mec lui dit: encore à 45 ans, tu crois les fées encore? Tu crois que ça existe encore, des fées? Voilà, fin de la blague, au revoir. Grim, c'est à toi de commencer. Ouah, il est parti! Ouah, c'est long, c'est ça. C'était terrible parce que. La blague, j'écoutais plus. Non, mais Potin, quand t'as dit j'ai perdu le fil de la blague, je te jure que j'étais en train de réfléchir à me dire: mais attends, mais on en est où là? Il avait un ton, après quand il a commencé à dire: mais t'as quel âge, t'as 45 ans? Mais je lui ai dit: oh putain, c'est la fin de la blague et y'a pas de chute. J'ai pas les mots. Je vous jure que là, j'ai pas les mots. Non, mais en fait, c'est juste qu'il a très mal terminé la blague, sinon. Non, en fait, il a pris le même ton pendant tout le truc. Tout est nul. Y'a rien à retenir. Il s'est pas présenté. Oh le pauvre. Il voulait pas se présenter. Je lui ai dit: présente-toi. Il a dit: je peux faire ma blague? Bon. Oh putain. Bon, on est descendu dans le fond. La chute aux enfers. Je ramène Nescouy, hein, si ça vous dérange pas. Vas-y. Non, vas-y, enchaîne. Fais-le vite, oubliez ça. Nescouy! T'as une pression, tu dois nous faire oublier un bide, Nescouy. J'espère que t'as la pression, mais avant. Ça va? Attention, Nescouy. Attends, par contre, ferme-la avant le générique. Et le générique. Attention. Nescouy, présente-toi, Coco. Je m'appelle Jules, j'ai un Nice et ma blague elle est excellente. Wouh, la confiance en soi. Jules est chaud, voilà. Ce soir. Voilà, et je suis fan d'Aipierre, vraiment très très fan d'Aipierre. Ah, c'est ce qui prend au bar Aipierre, une Aipierre. Oui, ça, je sais, ça marque bien. Tu vends du rêve là, tu vends du rêve, du rêve. Je vends du rêve. Allez, je me lance. Attends, t'as quel âge? J'ai 14 ans. Donc là, le chat, il a 14 ans, il est plus confiant que vous. Il a plus de couilles que vous, hein. Il a plus d'assurance que vous, hein. Donc c'est bien de vanner. Et bien de vanner son vache, il vous défonce. Ouais, il. Oh, ya. Allez, je le manga, on est tout, oui. Alors, en fait, c'est trois amis qui veulent faire un test de résistance. Donc il y a un blanc, un noir et un arabe. Oh là là, non. Okay, là, je commence direct. Okay. Donc ils veulent faire un test de résistance. Du coup ils vont se mettre chacun dans une chambre avec un chameau. Et en fait ils vont voir qui sort en premier, parce que ça pue le plus. Donc le blanc il reste 3 jours, une semaine, il fait: ouais, j'en peux plus, ça pue trop. Il se barre. L'arabe fait: vas-y. T'es sûr de toi là, de la vanne? Ouais, tu sûr? T'es sûr? Ouais, elle est un peu limite en fait. Mais ça va, ça passe encore.
T'as pas, t'es sûr de toi? Je crois connaître la chute, mais je suis pas sûr que ce soit. Non, mais même si je la connais pas, je sais déjà ce que va être la chute. Mais je le sais. Ça part très mal. Parce que c'est une blague, pareil. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense vraiment pas parce que. On a une autre. Je pense que. Remercie ton message et on moi, j'entends déjà le chapeau sortir. Et réfléchis là. Ah, et une blague réfléchis. Sans arabe, sans. Putain, c'est dur sans noir. Non, Je vous jure que c'est comme un Kinder Surprise et à l'intérieur du Kinder Surprise il y a quelqu'un caché dans ton Kinder Surprise. Putain, mon pote, c'est le petit frère de Théo en fait qui est passé. On l'a mis sur un piédestal quand même. Ah oui, là je suis déçu. Tu sais quoi, Jean? On lui a peut-être donné trop confiance en lui. Ouais, je pense que c'est ça. Après, voilà, maintenant Jules il est au courant que c'est pas le genre de blague à faire. Peut-être qu'il reviendra avec quelque chose de mieux. C'est ça. Non, mais attends, je précise quand même. C'est pas le type de blague à faire et c'est pas non plus le type de blague qui m'explose de rire non plus. Hein. Soyons honnêtes. En plus, soyons très honnêtes. La blague est dite pour faire FJ. Je dis pas que c'est juste parce qu'il faut pas le dire sur mon live, c'est juste parce que ça m'explose. Oui, en plus. Honnêtement, ça m'a. Voilà. Après, Grim, il adore ce genre d'humour. Mais non, Grim il en redemande, il passe ses nuits sur ce genre de site. C'est faux. Moi, sans vouloir faire le mec, Grim, je l'ai entendu rigoler quand il a dit c'est un blanc, un noir et un arabe. Attends, quand il a dit. Quand il dit sa petite phrase là, à la fin il a dit Grim, il a dit ouais. Ah non, il a dit non après. C'est de la diffamation, je crois. Et on enchaîne, invité suivant. Non. Oh, le générique, je vais l'adorer. Je vais J'attrape. Nowex, attrape Nowex direct. Non mais attrape direct ou. Salut Nowex. Nowex, attends. Nowex. Attention Nowex, c'est le générique. Wow. Yeah. Ok, c'est le générique est terminé. Tu peux à présent te présenter, Coco. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Nowex et je vais vous faire une blague. Ouais, je vais go. Potatoes, je vais te laisser choisir entre trois blagues. Ouais. Je vais te donner un titre et tu vas me dire laquelle tu préfères. Ouais. C'est une blague à choix multiples. Oh, ça part bien. Ouais. Alors. C'est un QTE. Le jeu narratif. Hein. Est-ce que tu préfères la blague de la carte mère, la blague de l'iPhone 6 ou bien la blague de la console? Les blagues elles sont toutes démodées. Quoi, vous les connaissez? La carte mère, elle sent bon. La blague de la carte mère. Alors, très bien. La blague de la carte mère. Pourquoi les geeks sont-ils fiers? Parce qu'ils ont une gigabit. Voilà, merci, bonsoir. Trouvez sur le forum geek.com. Bon, allez, je te laisse une autre chance. L'iPhone 6, d'accord, pas de soucis. Pourquoi l'iPhone 6 se plie? Parce que l'Apple Store. Mais tu me le vires, vous me le tabassez en sortant. Hein, peut-être je t'aime, je t'aime. Non. Les gars, c'est surtout. Je vous le dis, hein, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. La blague à choix narratif, il là, tu sais quoi, je préfère même l'autre là. Raciste là. C'est tellement, il y a pas de sissage. Je suis en train de regarder le speedrush de ça, il détruit des maisons, frère. J'ai plus de force là. Où tu veux vraiment que j'aille dans le Nether là? Avec ce gars là. Allez, je chope Kiriga. Pourquoi Madros il est plus là là? Parce que Madros il supporte plus, il est pas capable d'assumer. Mais t'as calme, Grim? Merde, va. Non, calme. Okay, Madros est parti. Très bien. Je récupère Kiriga, allez hop, c'est parti.
Kiriga. Salut Kiriga, attention Kiriga, c'est le générique, tu ne parles pas sur le générique. C'est parti. Ok Kiriga, présente-toi Coco. Enfin, bonjour, j'ai 19 ans. Il a 19 ans. Bravo. Ça commence très très fort. Bon voilà, je viens du Nord et j'ai rien d'autre à dire. Super, super. Ça suffit. Mais écoute, traite de bavardage, balance la blague. Ok, alors c'est deux potes, elles sont au café, elles discutent. Il y en a une, elle dit « Oh, je t'ai pas dit, mon mari, il est mort l'autre jour. » Elle fait « Ah ouais, mais comment ça s'est passé ?» Elle fait, bah, on était dans le lit, tranquillement, et il s'est endormi et il est mort d'un coup. Et sa pote, elle dit « Ah, c'était une mort subite !» Elle fait « Ah non, il est mort sur le dos. » Ça sent un merde de chat chez moi, je crois qu'il a chié. Il fait froid chez moi. Attends, il y a un courant d'air là, putain, il fait 24 degrés. Ouais. C'était pas si mal exécuté. Ah si, c'est ouais. Bien raconté parce que je vais te dire. Ouais, ça, en fait, la blague était très mauvaise, mais tu parles bien là, K. Je vais te dire, ouais, t'en aurais une meilleure, t'aurais eu un meilleur. Eh, si c'est lui qui avait eu la blague tout à l'heure avec la fée, peut-être ouais, que... Peut-être. Parce que tu vois, moi j'ai eu peur au début de ta blague, je me suis dit je vais perdre le fil. En fait, tu l'as bien... En fait, non, ça, ouais, c'est, on a été tenu tout le long, et en plus de ça, c'était concis. En vrai, 5, hein. Ouais, 5. Merci. Ah, prometteur. Merci, hein. Je vais m'entraîner, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais. Non, c'est pas de l'entraînement, c'est juste une meilleure blague. Faut juste la meilleure pleure pas, mon gars, t'inquiète. C'est dans la chute qu'on se relève plus fort. Pourquoi ton bonhomme, monsieur Bruce? C'est pour mieux nous relever. Hop. Allez. À la prochaine. Salut. Reviens l'année prochaine. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est ma grosse bite. C'est des jolis, ça, c'est l'humour, le vrai. L'humour qui se travaille, l'humour voilà, artisanal. J'en ramène un nouveau. C'était où Madrose? Bonjour Edge, attention en fait, Edge. regarde la cam de Madrose, on dirait qu'il tient un truc, il y a une contre-plongée. il attrape sa bite. Hein. Wesh, comment il est long. Attention Edge, c'est le générique. Edge, il fut nommé. Attends, il s'appelle comment? Edge. Edge. Bon allez, Edge Theme Song WWE, c'est son entrée pour lui. Et ça qui nous plaît. Hop, je cherche. Edge Theme Song. Edge Theme Song. Il lui faut son thème. Hop, attention. Ok, c'est parti. Oh, il est là. Wouh! Il est là! C'est bon, éteins. C'est bon, merci beaucoup Edge. Salut Edge. Félicitations à toi, salut. Bonjour Edge. Présente-toi Coco rapidement. Alors je m'appelle Edge. D'accord, voilà. Très fort, très rapide. Clair, concis, à la blague. 90 pounds Illinois, Canada. J'espère la blague sera aussi efficace hein. Vas-y. Alors c'est Pierre, Feuille et Ciseaux. Ils vont à la plage. Il y a Pierre et Ciseaux. Ils vont se baigner, ils disent à Feuille vas-y, pas ta tapette, viens te baigner. Et fait, elle fait, non, j'ai papier, je peux pas. Bah l'entrée était meilleure. Dessus le troisième corps. L'entrée... Hop là, Edge qui se fait dégager. Edge, 1, 2, 3, simplement de rire. Edge éliminé par dessus la troisième corps. Putain, je suis dégoûté. Il lui a fait une entrée de fou. On a travaillé. C'est dommage, hein. Il est parti là? Bah, je vois la tèche pour, ouais, pour faire sa blague. La choc slam quoi! Pour la mise en scène. Bon, bah, on attend le prochain. Barry Wood. Bon, allez, on enchaîne, Barry Wood. Attention, Barry Wood! Pas très bien même en fraude. Attention, Barry Wood, c'est le générique! Hop, le générique est terminé, Barry Wood, tu peux à présent te présenter. Bon vas-y, hein, ignore-nous, on est des merdes, c'est ça. C'est dingue, ça. Barry Wood. Ah, c'est Monsieur Fraise. C'est Monsieur Fraise. Ah, il est fort. C'est Barry Wood, non? Ah, il est fort. Non, c'est Monsieur Fraise. Je comprends ça. Ah, il est fort. Il va pas faire de... Ah, putain. Oh là là. Bah putain. Comment il fait? C'est son spectacle, on le voit, la blague, c'est d'être silencieux.
Bah, Barry. Barry. T'es démute, Barry. Barry, c'est à toi. Barry, allez. Allez. Barry. Yes. Allez, mon gars. Wouhou. Allez, Barry. Bon, bah, petit flop. Bon, bah, Barry. En vrai, 7 sur 10, j'aime bien la... J'aime bien le comique de silence, mais là, ça marche pas. Il est mort sur scène. Il est mort sur scène. Attends. C'est Molière. Allez, 9. Moi, j'y crois encore. Et quoi encore, j'en suis pas. Sinon, on le laisse là. Et on en invite un autre, peut-être. Ouais, j'avoue. Non, on laisse là au cas où il se décide. Attends, parce que regarde, il écrit dans le chat. Ça marche pas. Ah bah, ça marche pas. Ah bah, tu vas chercher un micro. Tu parles, tu rejoins un caca box. C'est bon, Barry? Barry, on te laisse réfléchir à tes actions un peu plus haut. Allez, Barry. Hop. Alors, on a TX24B. Ah ouais, donc ça, c'est un film de science-fiction. Ah ouais. C'est le fils de la Musk ou quoi? Non, je pense pas. Il s'est barré. Ah bah, il s'est barré, donc. Ah bon, bah. Bon, allez, là, il y a. Photo qui est intransigeant. Sinon, Madrose, tu peux aussi, Madrose, choper un mec au hasard. Non, hop là, attends, au hasard. Ouais, quoi? Madrose, t'es passé, hein. Madrose. Non, je suis déjà passé avant toi, Grim, sur le live. Et ouais. T'as réussi ou pas? Un classique de chez classique. Bon, comme, non, comme passé, d'habitude. Ah, le menteur. Allez, Madrose. Machin, on sait pas qui c'est. Salut, QN Kiss. T'es pas passé. On passe. Bon, Madrose, s'il parle de ça. L'homme qui se permet de juger ne pratique pas lui-même. Ah, bon. Putain, mais moi, je. Pardon, je parle au creeper. Knuckles se présente pas, je propose que Madrose passe. Na na na. On va en trouver un autre smoking. Exactement. Voilà, il est smoking. Oh, Madrose. Ça va être à toi, ils sont le king. Y'a pas personne là. Non, y'en a deux là qui sont pas prêts, mais d'abord Madrose. Allez, Madrose. Wasabi à toi. Ben, on a déjà eu Jedi pour toi. À toi de vanner. Ok, salut tout le monde. Ouais. Oh, c'est Théo, je suis en slip. Eh, hey, les NFT, les gars. Ok. Comment va t'en faire? Mais je jure, c'est vraiment... Attends, dis ta gueule, pota, pour voir. Ta gueule, pota. Attends, dis. Ah, non. Je le sais, ça. Ouais. Je le sais. Ah ouais, en grillant. Je le sais, ça. C'est les gars, et voilà. Mais c'est lui. Ouais, incognito, les gars. Allez, Théo. Oh, Théo. Allez, la blague. Je vais faire un petit van. Alors, c'est parti. Alors, c'est deux mecs qui discutent dans un bar. Il y en a un qui dit « Oh putain, j'en ai marre, j'ai vraiment un boulot de merde !» L'autre, il dit « Ah bon, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, je suis livreur de pizza, toute la journée, je les vois, je les sens, je peux même pas les bouffer, quoi !» L'autre, dit « Ah ouais, moi, c'est pareil !»« Ah bon, t'es aussi livreur de pizza ?»« Non, gynécologue !» J'en dis pas plus. Parce qu'en fait... À l'image de Théo. Je te jure, moi, je peux reprendre en main ta carrière. Arrête les blagues, tu imites juste Théo. Alors là. Tu vois les TikTok qui sont passés pour une octave, fais pareil, mec, Théo. Voilà. Ok, bah suivez mon compte Twitter, voilà, je vais faire les NFT. Et voilà. Tu sais ce qui aurait été efficace, je le dis vraiment. Tu serais venu en vocal, quand on aurait dit tu te présentes, t'aurais dit je suis Théo Russe et t'aurais répété toutes ces phrases à la con. Et là, c'était exceptionnel là. Bah pour la prochaine fois, les gars. Attends, Wasabi, juste est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux crier « C'est Steve de Minecraft !» C'est Steve de Minecraft. Ok. Vas-y. C'est Steve de Minecraft. Oh, c'est Steve de Minecraft. Non, mais non, par contre... Alors, c'est par contre, vraiment c'est Théo. Non, mais c'est oui, c'est moi. C'est Théo. Alors là, wow. Là, c'est très fort. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait, un diamant. Il y avait un diamant brut, quoi. Je te jure que si tu disais ça direct, c'était directement les enfants. Je savais pas que je lui ressemblais. Je savais pas que j'avais la même voix. Putain. Sans qu'on t'aide. Bravo. C'est franchement, vrai. Merci les gars. Eh ouais, mais bizarre. Fallait que quelqu'un lui le dise pour se rendre compte. T'as une grande carrière de copycat devant toi. Bah, t'as une chance. Merci, merci. On mise sur l'avenir. On mise sur aussi, l'avenir. Vous êtes l'avenir du Twitch, les gars. Merci. Allez. Merci. Allez, bisous les gars. Ciao, à tout à l'heure. Ouais, allez, ciao. Tu... C'est qui met les bruits Ah, il est encore là. Eh, vas-y, va-t'en, on va faire mon chiant. Théo, on sait que c'est pas toi. Tiens, Martin Goss, c'est le générique. Attends, mais c'est un pota. C'est bon là. Attends, Martin Goss, c'est générique. Hop là, Martin Goss, le générique est terminé. Bonjour. Bonjour à tous. Martin Goss. C'est moi, je suis Martin, 16 ans, un peu jeune. Attends, des années 90. Il a Walkman.
Il a un Walkman. Ok, Martin. J'habite à Nantes. Martin. Il parle sur les radios dans Fallout, c'est moi, dis-moi, ouais. 1, 2, 3, go. Martin, go. Parti pour la blague. Ok, ok. Alors, c'est un hindou. Elle est bien. Si, si. Non, pas de blague raciste. C'est pas raciste. Un indien, il a super mal à la tête. Et du coup. Pourquoi dit, alors, tu comment... Si c'est pas raciste, pourquoi tu précises que c'est un indien? Tu verras à la fin. Mais je sais quelle blague il va faire. Mais c'est quoi la blague? Il va à la pharmacie. Oui. Il va dire. Il va à la pharmacie et il dit: bonjour madame, j'aimerais bien un Doliprane. Mmh. Attends Martin, juste reparle pour voir bug avec ta voix des années 90. Salut. Tout le monde est là avec la blague. On a quand même En fait, si tu parles juste, c'est 7 sur 10, si tu veux une blague, c'est 3. Salut Pauvre. Okay, non mais franchement, c'était nul. Bon. Ouais, c'est vrai que c'était nul, je suis désolé. T'es nul, c'était raciste. Ouais, en vrai, elle est connue en plus, quoi. Ouais, mais en fait, il aurait dû dire indien doux, parce que moi, je peux penser aussi les Indiens d'Amérique. Hein. Mais putain, mais inventer une blague, merde. Genre, attends, là, regarde, j'invente une blague. Comment faisait Madrose pour le Covid-19? Vite, Madrose! Elle n'a pas inventé, elle a été faite trois fois par jour pendant une période. Arrête de mentir à dire que t'invente les vannes. Ça devient ridicule. Allez, un autre! Salut Martin, t'as laissé ton empreinte. C'était le mec comme Fallout. Salut Zorou. Zorou, attention Zorou, c'est le générique. Attends, parce qu'il est mute, je sais pas s'il nous entend ou quoi. On s'en fout, je lance le générique s'il est... Hey, le générique est terminé, tu peux te présenter. Bonjour les gars, moi c'est Samuel. Est-ce que je... Ah non, c'est très bien fait. Il les faisait pris vraiment la grossette depuis ces derniers temps. Pota, tu me réponds plus en DM. Franchement, c'est pas très sympa. Hein. Tu pourrais me répondre. Hein. D'ailleurs, c'est au sujet de ta petite sœur. Hein. Tu voulais me la laisser, mais t'étais plus très chaud. Bon bah, Grim est parti. Je comprends pas. Du coup, on peut prendre le nouvel invité. Je vais jouer avec vous, les gars. Vous me laissez. Non, hein, non. On t'a viré. Désolé. Ouais. On a discuté ensemble. C'est parce que j'ai abusé avec des mineurs qu'il faut. Bonne chance pour toi. Bonne chance pour le projet. Non, il est dingue ce mec. Il est dingue. Allez. Suivant, Abdelka, attention parti, générique, il fait... Jean, attention, s'il te plaît, Abdelka, générique. Rémi de retour. Hop là, bon. Salut Abdelka, présente-toi Vitos Fetos. On est tout douillé, moi, c'est Snaptrox. Alors... Bon... Non mais mec, abandonne. Non franchement, je buzz pour arrêter. C'est pas tout seul. Il est vraiment venu. Incroyable, il allait niquer le game. Hey, il a vu l'autre, il parlait comme toi, il s'est dit je fais. Non, j'arrive pas, il a eu le culot. Oh non, la honte. Ah le pauvre. Attends, parce qu'il a peut-être une blague. Attends, jure, fais ta vanne et après t'inquiète. Oh non, je veux voir le clip après comment. Alors, c'est quoi la différence entre les pervers et un filotier d'or? J'ai rien compris. Bon, allez, le pervers sexuel. Non, bah, rien. Allez, arrête. Ok. Non, par contre, le clip où il arrive, il dit. Il a vraiment cru qu'il était au top de l'imitation, wow. Genre. Aujourd'hui, on a rigolé deux fois, aujourd'hui. Merci quand même, hein. Eh ben, merci pour le... Merci, Abdelka. Ouais. L'imitation, ouais. Mec. Salut, attends, mon gars. Attends, Abdelka, t'as pas une vraie blague, quand même? Oh, putain. Si. C'est quoi, qu'il allait commencer, mais on n'a pas entendu. Il respire comme un tueur en série. Fais-la, mais articule ça. C'est bon. Arrête pour le dano, hein. Le Riddler. Le Riddler. Il est. Something. Qu'est-ce qui est vert et qui descend? Il y a du force entre les dents.
principe des non, non, temps. Non, on n'entend pas. Attends, là. Attends. Oh, bon, allez, allez, allez. Allez. Oh, ça a l'air bizarre, ça y est. Ouais, il a dit fion fort. Lui, il est fort, lui. Lui, il est fort. Et il est comme, il est arrivé quand même avec le classique de la soirée. On est dans un Jack. C'était un non. Ah, attention, attention, attention. Les imitateurs de Johnny, ça, ils font le Johnny. Salut, c'est Johnny. Salut, Elzos, Isos. Isos. Ouais, salut. Ça va? Ouais. Tranquille. Ça va, ça va. Bon, présente-toi. Paul, 19, 20 ans, je connais pas mon âge. 19h, il allait dire. Hein. Ah ouais. Oui. Pardon. Ouais, oui. Laisse les blagues aux autres, mon frérot. Oh, je vais me faire électrocuter de rire. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. John Café se relâche à l'électrique. Eh oui. Bon, allez. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui est pire que 3 bébés dans une poubelle? Un bébé dans 3 poubelles. Oh. Mmh. Moi, je pense que 3 bébés alors, dans 3 poubelles... Là, il y a un problème qui se crée. C'est pas qu'il 3. Est arrivé en disant « Laisse les blagues pour les autres » et il a raté la sienne. Voilà. Enfin, bon, on va peut-être reprendre les blagues. Hein. Moi, c'est un 0. C'est un 0. Zéro complet. Zéro bon, bah, en vrai, je pense qu'il a quand même réussi, il a remis Grimm en place hein, quand même. Hein. Oui, mais justement, on retiendra ça de lui. Tu vois, il arrivait, c'était osé, bravo, ouais, mais la blague, elle oui. tient pas. Elle tient oh pas, non, c'est vrai. Au moins, on retiendra ça, on retiendra ça. Oui, bah on retiendra ça, écoute. I have a dream. Désolé, hein. Bon, bah, pas de soucis, plus, dommage. On aura essayé. Dommage. Bon courage pour la suite, hein. Bon barca. Alors c'était honorable. Il y a encore des gens. Alors, salut Extens. On va remplacer encore 2-3 et puis on verra. Alors Extens, attention, c'est le générique. On n'a pas fini Maron, malheureusement. Hop, le générique est terminé. Présente-toi, Coco. Je l'ai eu dans ma... Dans... Alors, j'ai 19 ans et je m'appelle Paul aussi. Oh, oui. L'anecdote qui fait très très mal. Combat de Paul, ah, merci, combat les gars, Paul merci. C'est déjà un 10 sur 10. Alors là, voilà. Là, c'est un 0 pour moi. Oui. Mais vas-y, fais ta vanne. Je vais la faire très vite. Pourquoi un enfant chinois ne croit jamais non, au non, père non, allez, on s'en va. Oula, on oula, s'en va. Oh là là. Vire-le. Invité suivant. Bon, bah, 0. Hein. 0. C'est dommage, hein, on était on sur une bonne, ça, ouais, mais sur y une avait, bonne ouais. pente et ça recommence dans les travers. À chaque fois. Bon. Ah. Calypso. Attention, Calypso, c'est le génie. Vrai Calypso. Présente-toi, Calypso. Le vrai Calypso, quoi. Ouais, non, c'est... Oui. Moi, c'est Lou et j'ai 18 la ans, voilà. La vraie Calypso. Voilà. Félicitations, Calypso. C'est parti. Alors, la vanne. C'est l'histoire d'un mec qui, d'un coup, se retrouve dans une salle mystérieuse. Il sait pas où il est. Et il y a une porte où il y a marqué « C'est interdit de rentrer ». Et il y a un gars, il arrive, il dit « T'as interdiction de rentrer ici ». Et ensuite, quelques minutes plus tard, il entend du bruit derrière cette porte. Il se fait « Putain, il y a un problème et tout, il y a quelqu'un qui a dû rentrer, ça m'a retourné contre moi. Je vais rentrer, je vais lui dire de sortir très vite ». Et donc il rentre et il y a un génie qui est là et qui lui dit « Bon, bah t'es rentré mec, du coup tu vas en subir les conséquences, je vais t'enculer ». Il lui dit mais tu préfères avec ou sans mousse? Et le mec il réfléchit, il fait putain si c'est sans mousse je vais me faire déchirer. Donc il dit bon bah avec mousse. Et du coup le génie il fait ok, mousse tu peux venir s'il te plaît. Et du coup là il se fait enculer sa mère. Bon allez Grimm, c'est toi qui donne ta note, la prestation. Merci. Il y avait un storytelling, c'était... Il y avait un développement, mais la blague m'a pas fait rire, quoi. Il y a un petit mécanisme avec Mousse, et voilà. La surprise de Mousse a failli m'avoir, je pensais que ça allait être une autre moi, surprise. Moi, le problème, c'est que je la connaissais, c'est ça qui marche. Oui, bah, toi, monsieur, je vais... Je connais ah ouais, toutes blagues du monde. Blagues, hein. Bah écoute, je voilà, c'est avant de travailler dans un bar là, il y a cool. Bah, écoute, mais tous les alcooliques qui me racontent des blagues tous les jours, je suis d'avray, mais au bout d'un moment, je les connais tous. Non, mais je donne 6 sur 10.
C'est sûr. Ouais. Ah, merci. Merci, merci. Pour le storytelling. Et Madros, tu donnes pas de notes, monsieur est au-dessus de ça. Non, mais moi j'en ai un peu marre. Ça, c'est la troisième blague sur enculer quelqu'un. Ça, c'est vrai. Ça. Bah, ben, vas-y, fais-la, ta vanne, Madros, on l'attend. C'est vrai, et moi, Madros, je vais devoir y aller. Je suis désolé à tout le live, je dois y aller maintenant. Ah, dommage. Voilà. C'est pas contre vous, mais j'ai des obligations. Et donc, merci à tous, en tout cas, pour tout ça. On se retrouvera bientôt sur mon live. Voilà, sans trop parler. C'est désagréable. Tu esquives la blague et en plus tu fais ta pub. Ah, c'est grave ça. Monsieur n'a pas de couilles. Monsieur a une grande gueule, mais n'est pas monsieur capable. Monsieur se permet de juger les gens, mais non, pas d'accord tour. Les véritables saloperies, donc. Les je vous embrasse, tout les critiques cuisiniers qui se permettent de juger le plat et de dire c'est dégueulasse. Tu sais faire des pâtes. Je vous embrasse. Tu sais faire des pâtes. Merci à tous. Après, il fait des tacos panés, c'est grave. Gros con, va, dégage de là. J'ai pas fini ma run, on n'arrête pas, Jean. Voilà, moi j'ai fait ma blague. Merci Calypso. Merci du passage. Je deviens président. Ah bah non. Ah non, là c'est un point en moins. Là c'est trop. Alors on a Chacu. Chacu. T'as fait rire. Ouais. Et Chacu. Salut Chacu, attention Chacu, c'est le à générique. Donc tu ne dis rien. Chacu l'Onil. Allez. Il est fini. Hop, le générique est terminé, tu peux te présenter, Coco. On l'a fermé. Non. Alors, mon prénom, Loran, voilà. Quoi? J'ai 15 ans. Mon prénom, c'est Loran, voilà. Très bien. Original. Du coup, je vais faire, depuis avant, vous parlez de blagues bien exécutées. Du coup, je vais faire une blague bien exécutée. Oh. Louis XVI. Il est bien exécuté, genre, il s'est fait exécuter. Louis XVI. C'était ça? Vous avez pas compris? Ouais, Louis XVI s'est fait exécuter, genre. Je l'ai créé moi-même. Pas mal, hein. Bon, au revoir. Bah, écoute. Bon, heureusement que t'as un beau prénom, quoi. Ouais. Bon, bah, je vais y aller. Bah, tu peux y aller. Vas-y, pote. Bon week-end, mon gars. Merci. Hein. Ok. Bon, c'est dommage, hein. Not blague. Une autre blague. C'est parti, je chope Feliwesh. Attention, salut Feliwesh. Attention, Feliwesh, c'est le générique. Tu ne dis rien sur le générique, sinon. Aïe aïe aïe. Hop, le générique est terminé. Feliwesh. Présente-toi. Ok, je m'appelle Timothée, j'ai 13 ans. Chalamet, yeah. Ok. Moi j'adore le prénom, super prénom. Un prénom, ouais. Une chanson avec ton nom là. Ton prénom. Ouais, ça, non. Ça, non. Je connais que la petite Timothée avec le chanson. Je m'appelle Timothée. Timothée. Ouais, bon, allez, passons à la blague. Ouais, non, je vais pas faire un logo bi. Quel est l'objet préféré des orphelins? Allez. Le boomerang, car lui, il revient. La prochaine fois, faut les lire. Ça vaut pas le coup. Essayer de devenir doubleur de Timothée Chalamet. Ah, mec, ça vaut pas le coup de venir ici pour un niveau pareil. T'aurais dû faire une chanson, je t'assure. C'est pour ça. À chaque fois, on est là, on vous tend la perche pour vous aider, vous préférez. Je te jure que on t'a dit et t'as pas su. Tu peux toujours faire une chanson sur ton prénom, hein. Ouais, tu peux. Non, c'est bon, je. Non. Timothée! Je m'appelle Timothée! Je me réveille en tété, Timothée! Hé, rebeu d'éther, je m'endors! Presque. Bon, bah voilà. Bravo, Timothée. Merci quand même, en tout cas. Bon week-end, hein. Rien salut Timothée! Et allez voir des films. Ah ouais, j'ai pas dû rendre d'âge. Portez-vous bien. Hop, et on se retrouve. Madros, c'est vraiment parti faire ses courses. Et on se retrouve dans les salles sombres. Ah ben, on va voir Madros. Bon, allez, un autre sketch. Super. Alors, Nana-chan. Attention, salut Nana-chan. Attention salut, sur Nana-chan. Le générique. Pas un mot sur le générique. Nana-chan. Ah, salut Nana-chan. Tu peux te présenter. T'as le droit de te démute. Hein. T'es là pour ça. C'est ton moment. Non, mais Nana-chan. Bon, bah, petit flop. Allez, lâche-toi.
Hey, y a pas de raison de flipper, pas de raison de stresser. On est pas d'être en série, on veut pas te foutre la pression, mais tu te dépêches là par contre. Non, allez. Fouille-toi gros, c'est bon. Nanachan, je vois à 21h11, 3h j'attends s'il te plaît. Coco, démute-toi. T'attaques la mafia, Nanachan. Bon, ben on change. Bah, Nanachan, il faut. Attends, je lui laisse une chance parce que visiblement la personne attend depuis un petit moment. Oui, bon, non, mais attends, laisse une chance au bout d'un an, elle est là ou. Ah, attends, ah non. Que je suis content. Pas de après, le truc, c'est que c'est pas le seul qui attend, malheureusement, quoi. Ouais, c'est ouais, ouais, je. On pense pas qu'à sa gueule, monsieur veut sa commande. Bon, bah, alors. Ouais, voilà, c'est. Je suis terriblement désolé, mais. Après, Nanachan, désolé. Non, mais... T'as loupé ton coche, mon gars. Nanachan, es-tu là? Allô? Dernière chance. 5, 10, 4, 3, 2, 1. Allez, ça dégage. Non, Nanachan, je suis désolé, tu fais pas d'effort là. Ah, tu fais tes chiants. Là, t'étais mute. Là, t'étais mute, tu ne parles pas, Nanachan. Faut. Tu parles pas. Non, mais dégage-le là. Bon, bah regarde, y'a PFO. Dans vérification, on prend. PFO. PFO. Salut PFO, attention PFO. PFO. Bon, on entend. PFO, c'est le générique. Ouais, c'est générique. Yeah. Salut PFO, présente-toi. Salut, moi c'est PFO. Ouais, mais c'est excellent. C'est excellent. Quoi, non, non. Ça veut dire quoi PFO? Ouais, c'est quoi? C'est quoi l'étymologie? Trou de fesse, oignon. C'est mon prénom et mon nom. Il a 10 sur 10. Bravo, il passe en finale. Merci. Excellent. Fais ta blague, PFO. Alors, c'est une blague un peu interactive. Oh, oh putain. J'adore. N'entends pas en fait. Hein. Alors. est-ce que vous entendez le retour là? C'est impossible, ouais. Je l'écoute. Ah ouais, non, moi j'entends pas le retour là. Ouais, moi non plus. Ok. Est-ce que vous l'avez vu? Vu non. Quoi? En pétant. Il a mélangé de man. Ça, c'est oh très le mashup. C'est osé, très, c'est très osé. Prise de risque. C'est très très fort. Alors c'est là, très fort. J'en là, ai pour vu le coup. J'en ai vu des comiques. Hein. Mais là... Très osé et ça passe. Merci. Mais ça passe en finale. Félicitations PFO. Fruit frit oignon, bravo. Merci. Très très bon. Très très bon. Les je parle les pâté oignon. Hein. Mais attends parce que il a dit tu l'as vu en pétant, faut le balayer. Hein. La honte. Hein. J'ai pas fini ma run, on n'a pas terminé. Hein. Ah, aussi bon, aussi bon. Peter Paul Lumineux. Oh, salut. Ouais, allô. Willow, attention, Willow. Générique. Salut Willow, présente-toi, je suppose que tu t'appelles Willow. Non, je m'appelle Willy, mais... Willy Wonka. Il joue où tes petits chocolats, Willy Wonka? Eh hey, Bart, vous arrêtez de jouer dans l'école, Willy le jardinier. Ouais, ok. Le mépris, ça s'achète. Mépris de classe instantané. Hein, c'est... Bon, allez, Willy Willy, c'est ouais, la blague. Ouais, ouais. Vous savez pourquoi les vaches ne parlent jamais? Non. Moi, je parce sais, que sur le panneau, il y a écrit la ferme. Willy Wonka. Willy Wonka. Tu m'as méprisé sur ma van Willy, là? Vraiment? Bah, oui. Alors moi je vais te dire pourquoi elles ne parlent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes cordes vocales. Non, non, c'est notamment. Parce qu'il y a écrit la ferme. Non, c'est scientifique. Ah, ouais. Je pense que les vaches peuvent juste pas parler comme les humains. Hein. Si, si. Désolé, non, c'est pas la ferme, c'est parce que c'est un problème génétique. Alors le mec veut me parler de vaches. Willy, ouais, c'est quoi? Bah toi la ferme en fait, allez hop. Ah ok, bah je me casse. Tu sais pourquoi tu vas te barrer? Parce qu'on va te virer. Oh, wesh. Attends, comment il est venu tout seul ou quelqu'un l'a dégagé? Wesh, non, non, dégage-le. Pourquoi? Bah dégage-le. Vas-y, vire-le. On sait jamais là s'il est venu tout seul, connard. Qui c'est qu'il l'a mis dedans? Bah j'en sais rien, on du coup dégage-le. Hein. C'est pas moi. Hein. Attends, vas-y, mets la touquette. Bah, justement. Dans bon, vérification. Allez, salut la touquette. Attention la touquette, c'est le générique. Oh, t'as pas la tête de gueuler. Bonjour. Salut la touquette, présente-toi ouais, rapidos, mec. Peperos. Eh ben c'est la touquette, et c'est parti pour la blague du bus. Vas-y. Alors,
En fait, c'est un chauffeur de bus. Il doit transporter des tétraplégiques. Oh, et du coup, il est un peu stressé et tout. Genre, c'est normal, tu sais, c'est un peu dur de les porter, quoi, et tout. Dans le bus, il met des barreaux et tout. C'est un peu chaud, quoi. Bon, il est un peu stressé. Le bus démarre, bon, tout va bien. Et au bout d'une heure, t'as été tétraplégique. Tu sais, ils sont là, ils sont, ouais, vas-y, c'est long, tu sais, un peu. Et genre, ils sont là, et là, tout d'un coup. Chauffeur, si t'es champion, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Ok. Ouais, le chauffeur de bus, il est là, il accélère un peu. Genre, il se dit, vas-y, on va les mettre bien. Il accélère. Tranquille. Et là, 20 minutes après, genre, il recommence. Chauffeur, si t'es champion, si t'es champion appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Ok, s'y fait le chauffeur de bus. Il appuie sur le champignon. Et il accélère encore, il accélère. Ouais. Et après, genre il accélère, mais ça ne suffit toujours pas. Genre ils sont là. Ouais, ça va pas assez vite. Donc qu'est-ce qu'ils font? Allez, avec moi. Chauffeur, si t'es champion, appuie. Si t'es champion, appuie sur champignon. Champignon roulant. Voilà, les tétraplégiques, ils sont contents. Et là, pam, le volant, mais carrément, hein, encastré en lui, quoi. Le chauffeur de bus, il est mal, quoi. Puis là, t'as les tétraplégiques qui sont là. Il est des nôtres. Eh bah putain. Wow. Ça c'était. Wow. Elle était bien. Hein. Elle était bien. Ça c'était du trajet en bus, ça. Excuse-moi, la blague était pas très drôle, mais elle était bien. Et ça, j'ai bien aimé. Non, la chute était pas très drôle, mais le voyage très agréable. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme hein, c'est pas l'arrivée, et c'est le voyage. Bon, allez. À l'image du trajet en bus, j'ai rigolé pendant tout le trajet, mais l'atterrissage m'a fait du mal. C'est les amis qu'on s'est fait. C'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. J'ai tout dit. Tu l'as bien raconté, tu vois, t'as ajouté un petit peu de chansons pour alléger le trajet. Au début, j'avais vraiment peur. Ouais, au début, j'y croyais pas. Pause en 10 secondes, j'étais en oula. Mais merci la Touquette. Ah bah, merci à vous. 7 sur 10. Bravo. Merci beaucoup. Si t'es champion. Casse-toi du vocal. Barre-toi du vocal. C'est bon. Wouh. On l'a bien eu celui-là. Donc, j'ai pas fini ma run, ça continue. Et on enchaîne. Bon, ben Madros qui est parti acheter des knackis. Abdelmajid. Abdelmajid, attention, Abdelmajid. Générique. Salut Abdelmajid, présente-toi. Abdelmalik. T'es mute. Non, c'est Abdelmajid. Non, Abdelmajid. Un rappeur là, Abdelmalik. Ah oui. Est-ce que allez, démute-toi Abdelmajid et présente-toi. Bon, t'es chiant, hein. Attention, parce que on vous laisse très peu de temps, hein, parce que faut que ça tourne, que ça tourne. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la file d'attente, hein. Il y a du monde qui veut passer. Moi, je vois, il y a des gens visiblement qui se plaignent, mais bon, c'est pas nous qui mettons dans la vérification, parce que nous, on est prendre direct dans vérif au lieu de prendre des risques. Donc, Abdelmajid, là, c'est. Bon, allez, casse-le, c'est bon, il parle pas. Bon, Abdel, bon, bah, t'avais du temps. En vrai, hein, on t'a donné le temps. Une prochaine fois, peut-être, Abdelmajid. Allez, au suivant! Arkham 44, n'hésite pas à te présenter. N'hésite pas à te démuter et à parler parce que sinon ça dégrage très très rapidement. 5, très 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 4, rapidement. 3, 2, 2, 1, ça dégage. Il était en vérifier une seconde. Bon, Arkham. Ah mais attends, parce que il est attends. Pas... Ah c'est bon, il est... Ah c'est bon, t'es alors... pas ah, réussi Salut. Mais c'est pas moi qui mute, ça se met tout seul, j'ai l'impression. Ah bon, il faut attends, Arkov, présente-toi, Arkov. Alors moi c'est Abdelkader, j'ai 15 ans, j'habite à Nantes. Très bien. Voilà. Relax mon gars, relax. Contre... Allez vas-y. Quelle est la différence entre les dents de Terracide et un filon d'or? Attends, mais c'est la même que tout à l'heure, non? Ouais, mais c'est le mec de tout à l'heure, c'est un autre compte, non? Les dents de Terracide, elles sont plus jaunes. Voilà.
ces petites blagues. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Oui, on va y aller là. Ouais, on va y aller, ouais. Bah, bonne chance, mec. Bah, force, hein, j'espère qu'il a, il a one match show bientôt. Bon, bah, franchement, ça. Bah, c'est. Ça a un peu dégoûté là. Bon, ouais, bah, un autre. Parce que... Bah, ça m'a coupé ma fin, quoi. S'il y en a un qui veut passer, c'est. Allez, j'en prends un. Bah, regarde là, il y a Garbage là. Grave, quand même. Ah, Garbage Boy. Garbage Boy! Attends, ouh attends. C'est le hop, générique. Et attention, c'est le générique! Hop, le générique est terminé. Tu peux dès à présent parler, Coco. Ouais. Et par te les présenter. Deux. Moi, c'est Diego, Garbage Boy. C'est vrai. Et du coup, je sais pas comment je suis intégré dans le vocal, mais j'y suis. Okay. C'est ton moment. Fais ta Tu me fais penser à. À qui? Putain. Ouais, Mirabel. Michael Jackson, non? Ah, ah non, Mirabel. Je ah ouais, Michael Jackson aussi, quand c'est même. C'est pas l'humoriste, lui? Si. Ah, si on peut appeler ça de l'humour. Mais. De quoi? Ouais, rien. Bon, bah vas-y, lance-toi là. Allez, fais ta blague. Je peux faire des blagues un peu border ou pas? Non. Bon, ok, bah. Attends, parce que j'étais pas prêt à faire une blague. Attends, je vais faire une blague sur les Belges. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de caca devant les portes d'entrée de magasins belges? Je sais pas. Et qu'il poussait fort. C'est quoi le rapport à la Belgique? Je sais pas. Genre, j'ai vu ça quand. Pourquoi t'es quoi le rapport avec les Belges? Je sais pas. Okay. Il a dit les supermarchés belges. Je pète un allez. Bisous. Mais le truc, c'est que. Bisous. Même lui, c'est pas où il était. Allez, c'est la dernière, Jean. C'est la dernière. Allez, la dernière. Et là, bon, le dernier, faut. Le dernier, c'est. Oh, y'a. Bah non, mais parce que moi, je les prends dans vérification, mais là, y'a personne et le mec est mute. Y'a plus personne, là. Non, Pierre, bah, prends-en dans. Au-dessus, là. Dans vocal libre. Ouais, mais attends. C'est risqué ou pas? Eh, prends passeur au pire, non? Je sais pas si passeur, il est là. Lui, là. Pablo Comotti. Oh là, Pablo Comotti. C'est ton moment, générique. Générique, attends, attention. Générique, t'es là, date. Salut Pablo Comotti. Oh. Bon, je suppose que Pablo. Tu t'appelles Pablo. Ouais, Pablo, ouais, c'était le dernier participant à cette soirée humour. Ouais, c'est toi qui vas clôturer la soirée. Je suis désolé, je suis pas sûr de clôturer parce que j'ai une anecdote au lieu d'une blague, mais c'est une anecdote de caca. Bon, allez, raconte. Non, mais allez, vas-y. Bon, alors. C'est nul les anecdotes de caca, c'est bon. Ah, si c'est pas long, si c'est pas long, vas-y, raconte. Alors, c'était dans une colo d'été, un camp paumé dans la forêt, et on dormait à 6 ou 7 dans une tente. Et il y a un matin, je me suis réveillé avant les autres, avec une certaine présence dans mon caleçon, c'est un truc un peu mou, un peu chaud. Et surtout, il y avait une odeur d'attente. En plus de l'odeur de chacal, il y avait une bonne grosse odeur de merde. Et donc voilà, j'ai eu la diarrhée en colo. Mais faut savoir qu'il y avait un mec dans cette tente que je détestais. Et comme personne n'était réveillé, j'ai voulu lui faire une trace. Donc je lui ai mis mon caleçon bien sale dans ses affaires. Sauf que j'ai oublié que les caleçons, ils étaient étiquetés, tu sais, pour les laver et tout. Et bah du coup, je suis rentré plus tôt chez moi. Mais t'es trop débile. Fallait y penser, wesh. Bah pire, ouais, mais au pire fallait le mettre sur sa tête et tu partais en courant. Ah ouais, mais du coup c'était encore plus cramé, tu vois. Certes. L'anecdote est finie. Ouais, ouais. Allez, c'est bon, potat, tu peux te réveiller. Une dernière blague, s'il vous plaît. Pablo, merci du passage. Pas de blague, bonne Pablo. Soirée. Ciao. Il a dit l'anecdote. Jacob Sui. Bon, bah, alors hop là, attention. Attention, Jacob Sui. Ouais, c'est ouais, l'heure ouais. Du générique, attention. Il y a le générique qui sort. Alors attention, attention Jacob, présente-toi. Tu es le dernier de la soirée. C'est à toi de que revient l'honneur de clôturer cette soirée de l'humour. J'espère que t'es prêt. Oui. Ah là, je suis prêt. Ok. Vas-y, présente-toi. Ouais, voilà, présente-toi. Mets-toi à l'aise. Okay, bah moi c'est Jacob Sui, 18 ans, déscolarisé. Super. Y a rien d'autre à rajouter. Très très drôle déjà. Génial. Bon bah ça part bien. Fais ta vanne mon gars. T'es le dernier. Ok. Pourquoi on met du scotch autour d'un hamster? Je sais pas. Pour pas qu'il explose quand il encule. Quoi? C'est nul hein. Bon, bah, la soirée est pourrie, quoi.
C'est nul, quoi. Non, mais Yass, c'est quoi le rapport? Je sais pas. Bon, Jacob, c'est une fin de blague. Ah, vous êtes aigri, hein. Non, mais j'ai pas compris ta blague. Ouais. Bon, bah. L'aigreur des types, quoi. D'avoir clôturé la soirée, merci beaucoup. Ouais. Ouais, t'as un micro propre, hein, c'est bien. Ouais. En vrai, ouais, t'as un super micro, c'est ce qui peut changer, ça aurait pu faire un atout. Ouais, bah, ouais, merci. Mais au final, non. Je suis... Oh. Il a bousillé la soirée, là. Il a bousillé la soirée. Là, il me faut une musique pour terminer. Est-ce que tu veux que je mette une musique? 2 ans 4, non, mais c'est moi qui la mets sur mon live. Ok, bon, autant pour moi. Désolé. Non, mais... Attends, désolé, mais on est quand même en 2021, 2022. 2022, en plus.